Ok. Attendez. Tac. 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 Ok, le jeu est peut-être beaucoup trop fort. On va se calmer 2 secondes. Bonjour. Ok, ça marche bien. Bonjour à tous. Enchanté. On va faire. On va faire Outer Wilds. Parce que de tous les jeux dont on me parle depuis des années, il est celui qu'on m'a le plus réclamé d'assez loin. Bonjour à tous. Ça en fait des gens. Bonjour Mobius. Bonjour Alex. Bonjour Lucas. Vous êtes trop nombreux, mais salut. Globalement, je suis content de vous voir. Écoutez, on va faire un jeu qui s'appelle Outer Wilds, qui m'intrigue depuis des années. Et le truc avec Outer Wilds, c'est que pas grand monde l'a fait, mais les gens qui l'ont fait, pour eux, c'est une religion. Et la musique d'intro du menu est hors du commun, ce qui est vraiment bon signe pour commencer. Et c'est censé être un jeu à énigmes. Et donc, je sais pas si ça va être fascinant à suivre en live, je pense que ça va être beaucoup de blanc et beaucoup de moi qui suis bloqué pendant 5 heures sur un problème. Mais entre l'ambiance du truc et les révélations qu'il y a l'air d'y avoir à l'intérieur, je me dis qu'à la fin, ça fera une belle vidéo. Donc c'est déjà ça. Aussi, n'hésitez pas à me dire si le jeu est trop fort par rapport à ma voix. Du coup, voilà. Et je suis vraiment très curieux de voir à quoi ça ressemble. Donc c'est parti. Et se réveiller. Ouais. Réveillons-nous. Ok. Ah, je suis. Ok. Ah ouais, c'est. Ils m'ont lâché dans le jeu sans la moindre explication. Enfin, c'est vrai, on est sur le tuto le plus court de l'histoire du gaming. Hein. Ils m'ont lâché dans le game, ils m'ont dit amuse-toi. On est sur un départ à la Tunique. Hein. Toujours sur quelle plateforme? Je suis sur PC, mais j'utilise une manette de Xbox. Parce qu'au début, j'étais chaud pour le faire au clavier et le jeu m'a dit franchement, frère, fais plutôt Outer Wilds à la manette. Piloter la micro-fusée. Salut, comment ça va? Et c'est toi, oui, c'est moi. Ok, on avance avec. Ok, on fait passer les dialogues avec X et pas avec A, ce qui est hautement perturbant, mais tranquille. Bonjour, Adis B. Je t'ai découvert avec la vidéo sur Tunic. J'ai tellement kiffé que j'ai maté l'intégralité de tes vidéos sur ta chaîne, trop quali. Là, je vais sur Outer Wilds. Je vais sur Outer Wilds fort. Merci pour le sub, DJ Rexma. Merci pour le resub, même. Je suis désolé, je suis pas très bon pour suivre les chats. M'en voulez pas d'avance si les trois quarts de vos messages passent complètement inaperçus. Je ferai comme je peux. Ardoise dit que tu décolles aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça. Tu veux pas aller dans l'espace? Tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis. Bien sûr que j'y vais, j'ai envie de m'entraîner, j'ai appris qu'Ardoise et toi avez amélioré le modèle. Quoi? Mais on a l'impression que j'ai déjà fait tout ça. On a recalibré les commandes, on a installé de meilleurs propulseurs. Tu veux faire un essai? On va essayer de te poser sur l'un des geysers. Ok. Ah! Ah, ok, ça marche. Ok. Ok, ça marche comme une vraie fusée en fait. Il faut propulser à l'opposé la direction dans laquelle tu veux aller. Il faut que je me pose sur un geyser. Oh. Ok, un des geysers. Bah, on va commencer par le plus gros. Ah! Ok. Ok. C'est relativement facile, mais quand tu commences à partir en couille, bah c'est foutu, genre. Comment je la récupère? Réinitialiser. Ouais, réinitialiser fort. Il faut juste. Ouais, voilà, tout en douceur. Tout en douceur, chill, chill. Et surtout. Surtout, on touche pas. Avance un peu. Ouais. Nice! Et surtout, on touche pas à la gâchette de gauche, parce que gâchette de gauche, c'est réacteur du haut qui t'envoie vers le sol. Ah non, non! Non, 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 non! Est-ce que je peux la récupérer? Oui. Ok, bon, dès qu'on commence à tourner, c'est vraiment. Ok, bon. Je vois le délire, je vois le délire, je vois le délire. Tranquille. J'ai compris. Quel atterrissage. Ouais. Ok, donc Mika est content de moi, j'ai appris à piloter la fusée. Je sais quand même deux ou trois trucs sur ce jeu.
T'as continué Edgerunner? J'en suis épisode 5 ou 6, mais évidemment je peux pas trop en parler parce que je sais pas combien de gens... La série est sortie il y a vraiment pas longtemps, je sais pas combien de gens sur le chat ont vu Edgerunner. Dans le doute, vous pouvez aller voir Edgerunner. La série est très solide. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs ce que les grosses compagnies sont capables de faire quand elles ont vraiment intérêt à ce que la qualité d'une série soit bonne. Parce que toute l'année, on se mange des trucs qui sont sur des licences célèbres et qui sont faits à la va-vite parce qu'ils savent que ça va leur rapporter de la thune quoi qu'il arrive. Mais là, c'est pas la même. Ils ont fait Edgerunner pour convaincre les gens de donner une deuxième chance à Cyberpunk parce que le DLC va bientôt sortir. Et qu'ils ont besoin de vendre le DLC. Donc ils avaient vraiment besoin que la série soit vraiment bien. Et comme par hasard, quand ils ont vraiment envie, ils y arrivent. Hein. La série est incroyable. On peut regarder sans avoir joué au jeu. Si tu parles d'Edgerunner, ouais, sans aucun problème. Ça, j'ai pas fait Cyberpunk, mais je suis quasi sûr que ça se passe pas du tout en même temps que le scénar du jeu. C'était un faire-valoir à l'univers plus qu'une intrigue, plus qu'une vraie intrigue. C'est... Oui, tu le regardes pour l'ambiance. Tu le regardes pour l'ambiance beaucoup plus que pour le plot. Mais l'ambiance est vraiment très réussie. Et les personnages sont attachants, même si le plot est pas hors du commun. Lui, j'ai spawn juste à côté de lui. Qu'est-ce que tu dis de beau, Ardoise? Je vois que t'es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Ah, je vais vraiment te décoller, je vais me mettre dans la fusée, en fait. C'est le grand jour. J'ai l'impression que t'as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. T'as pas hâte de t'envoler? Si, j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte, frère. Si tu bousilles la fusée, viens pas m'en demander une autre. Ah. Tu vas devoir parler à Cornet. Très bien, c'est qui Cornet? À l'observatoire. Pour avoir les codes de lancement, nice. Ok. Je suppose que c'est par là. Ah non, ok, code de lancement. Ok, ça c'est pour monter dans la fusée. La fusée doit être là-haut. On doit trouver Cornet. Salut, première fois, point d'interrogation. Merci pour les subs. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont subs, j'ai remercié personne, je suis une merde. Merci beaucoup. Petite question sur la dernière vidéo, comment tu as déterminé la position de départ et celle d'arrivée sur le symbole qui tournait sur le mur? Alors, quand t'arrives, le symbole, la première ligne a l'air de partir vers le bas. Donc je suis parti du principe que ça commençait par bas. Mais de ce que j'ai lu depuis, en fait, le jeu est extrêmement sympa et il te le tolère dans tous les sens. C'est-à-dire, peu importe que tu commences par haut, bas, gauche ou droite, du moment que tous les inputs suivants sont logiques par rapport à ce que tu as commencé, il te donne le code. Enfin, il te donne le coffre. Ce qui est smart, en vrai. Ok, toi, tu t'appelles Porf. Merci Galaxy pour le sub, merci MacRenby pour le sub. Salut, Petite Pierre, c'est moi, Petite Pierre? Pareil que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu retraveras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon. Incroyable. Moi, toi et Gossan, c'est qui Gossan? On peut pas vraiment appeler le bon filon un délicieux 27. Ah, je critique le bon filon, ah ouais. Notre société de chasseurs-cueilleurs endurcis est issue de moins d'expérimentations. Très bien, ils ont évolué en mangeant n'importe quoi, ils sont capables d'avaler n'importe quoi. Ok, nice. Est-ce que je dois partir du principe que moi aussi je suis un alien? Est-ce que je ressemble à ça, genre? J'ai 4 yeux et la peau bleue. Bonjour Nathan. Comment ça va, jeune intervieweur? Oh mec, ça fait un bon moment que j'ai plus fait d'interview. Mais figure-toi que je dois faire une interview dans pas longtemps. Figure-toi que il y a un festival à Paris du jeu indépendant. Sorbonne quelque chose. Qui vient de me contacter. Oh, le petit logo. Vous savez où j'ai vu ce logo? Qui c'est? Il y a ce logo dans une de mes vidéos. Qui c'est, genre? Je pensais que c'était juste un dessin comme ça que la communauté avait fait. Pardon, j'ai complètement changé de sujet. Oui, c'est Place. C'est Place. C'est 100% Place. Je pensais que la commu avait juste décidé de dessiner ça, mais en fait, non, ils ont refait un truc qui était dans le game. Incroyable. Ouais, je dois interviewer Ken Bogard à ce festival. Parce que Ken Bogard est la tête d'affiche de ce festival et je suis en train d'essayer de rassembler des infos que pas tout le monde connaît sur la vie et sur le passé de Ken Bogard pour avoir des trucs intéressants à lui faire dire pendant une heure. Programme Odyssée présente carte postale prise en orbite. Ah, ok, je suppose que je prends des photos et que je les ramène ici. Est-ce que t'as fait Road 96? Non, pas du tout.
Je crois voir ce que c'est. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Est-ce que fondamentalement il y a vraiment besoin des codes de lancement? Peut-être par là. J'ai peut-être fait une erreur. Oh! La fusée! La fusée! Non! Oh là là là, quelle erreur! Oh merde. Oh, j'y ai cru. Ok, on peut pas. Ok. Je pensais que je bougerais plus que ça dans l'air. C'était inattendu comme première mort. C'était. Non, il y a les crédits, vous êtes sérieux? Non, c'est bon. Non, les crédits, respectez-moi un petit peu, c'était une légère erreur. Nouvelle expédition, carrément. Je suis abattu. Non, mais ça paraissait être une strat incroyable. Je suis sûr que c'est possible. Presque sûr qu'avec le bon angle, c'est faisable. Il va me dire la même chose du coup. Ok. Il va me dire la même chose. Vous savez quoi? On refait un petit coup de micro-fusée parce qu'il y a un truc. En fait, il y a un truc qui me perturbe. Ah non, ok, j'ai compris. Pourquoi des fois, quand je pousse à gauche ou à droite, elle reste droite? Et des fois, elle se met à tourner sur elle-même. Quelqu'un saurait me dire ça? Voilà ça là! Non, c'est parce que j'ai percuté un truc en vrai. En vrai, probablement juste que j'ai percuté un truc. Ouais, en fait, je mange les lanternes. Je peux peut-être redécoller. C'est parce qu'à chaque fois, je me mange les lanternes en fait. Elle est très. Pourquoi elle est partie en avant cette fois-ci? Parce qu'elle percute le. Ok. Ok. Parce qu'elle percute les trucs en bois. En fait, elle est parfaitement stable tant qu'elle touche rien. Elle tournera jamais sur elle-même d'elle-même. Mais si elle frôle le moindre truc, elle tourne. Quel enfer. Chill, chill, chill. Ok. C'est un peu. Ok. Yo, yo, yo. Première fois sur ton live, ta vidéo tunique est incroyable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chouchou. Comment ça, chouchou? Ah merde, c'est le train de la hype. Oh, c'est des trucs de. J'ai jamais. Si quelqu'un est chaud pour m'expliquer, j'ai jamais rien bité au train de la hype. Je stream pas souvent, je regarde très peu de streams. Des fois, je passe sur un chat et il y a marqué train de la hype. Si quelqu'un est chaud pour m'expliquer les tenants et les aboutissants de ce truc, je serais heureux d'apprendre. Merci de m'avoir donné envie de faire tunique. Pour ensuite regarder ta vidéo, mec. Mec, en vrai, la vidéo sera moins bien une fois que t'auras fait Tunic, parce que tu découvriras moins de trucs, mais si t'as en toi de faire le jeu, de fait, il vaut mieux que tu commences par faire le jeu. Mais il y a des gens partout, en fait. Spinel. Elle veut que j'aille à l'évier. Oh, ok, il y a un bruit. Attendez, je vais peut-être baisser un peu le game, parce que là, vraiment, le geyser est en train de me flinguer les oreilles. Le playthrough Oxenfree, mais mec. Est-ce que tu sais qu'Oxenfree, je l'ai fait en playthrough. Je sais pas si c'est à toi qui. Je sais pas si c'est toi qui m'as posé la question sur Twitter et à qui j'ai déjà répondu, mais j'ai fait un playthrough Oxenfree quand j'étais tout petit. Quand j'avais genre. Je sais pas. 16 ans, 17 ans, et vraiment personne l'a regardé. Il a fait une vue sur YouTube. Mais Oxenfree, le jeu est vraiment très très lourd et la musique est incroyable. Attendez. Pause. Est-ce que je peux. Vous mettre la musique d'Oxenfree. Si jamais vous avez jamais vu Oxenfree, si jamais vous avez jamais joué à Oxenfree, parce que c'est pas un jeu extrêmement célèbre, il y a une chanson dedans qui s'appelle La plage à 7h du mat, The Beach 7 a.m., qui est folle. Écoutez, je vous la mets 2 secondes. Ça fait tululu. Ça là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je sais pas si vous l'entendez. Je vous mets l'audio de bureau à fond. Ça là. Quelle musique de fou. Ah
Ça fait pas à se dire qu'il y a un mystère de fou qui est en train de se passer? La musique est folle. La musique est folle. C'est vraiment, c'est la musique la plus mystérieuse que j'ai jamais entendue de ma vie. T'entends ça, tu sais qu'il y a un mystère de malade qui est en train de se tramer. Et l'intrigue de Oxenfree est vraiment pas mal. Hein. Le jeu était vraiment intriguant. Faites Oxenfree si vous avez le temps. Je sais pas si je ferai une vidéo un jour sur Oxenfree. Genre, je sais pas si j'aurai la foi d'y retourner, mais faites Oxenfree. Quel jeu de fou. C'est une musique qui s'appelle The Beach 7 AM. Et c'est dans la soundtrack du jeu Oxenfree. Voilà. La musique est folle, ouais. J'étais obligé de partager ça. Ok, il est en train de me parler d'une planète bleue qui s'appelle Léviath avec de l'eau dessus. Et apparemment, ok, il faut trouver un moyen de passer un courant sous-marin pour pouvoir descendre suffisamment loin sous les flots pour découvrir quelque chose. C'est probablement très important, on va retenir ça pour la suite. La tentacule d'une bête abominable! C'est vrai ou tu me fais marcher? Le seul moyen de connaître la vérité, c'est d'aller nous-mêmes sur Léviath, il a tout à fait raison. Je sais pas pourquoi je sens qu'il y a un truc sur ce toit. Il y avait absolument que dalle. Oh, mais je suis bel et bien un alien, regardez, je suis bleu! Donc j'ai 4, ok, on va partir du principe que j'ai 4 yeux et que je suis bleu. Ok, est-ce que j'ai découvert un truc secret ou non? On peut juste pas y aller. Chill. Le son est fort, ouais, le son est peut-être... Ah oui, mince, oui, je suis un débile. Je suis désolé. J'avais mis le son à fond pour que vous entendiez Oxenfree. Je suis pas encore un très très bon streamer. Je viens de me faire ping sur Discord par Milou qui m'a dit baisse le son. C'est bon, je baisse le son, je suis désolé. Je suis désolé. J'enlève le son. Chill. Ok, j'ai toujours pas trouvé la personne que j'étais censé trouver. Coucou astronaute. On voulait jouer à cache-cache. Morène veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile. Ouais. Voilà les règles. Oh attendez, on va faire une partie de cache-cache, ça va être fou. On se cache avec ses radios et toi tu utilises ton onduloscope pour nous trouver. Ok. Le dernier à trouver est de gagner. Maintenant... Comment ça marche? J'ai débloqué un mini-jeu. Ok, c'est à peu près certain que cette première planète, c'est une sorte de giga-tutoriel pour tous les machins qui vont être utiles dans le jeu. On m'a déjà appris à piloter la fusée, et maintenant on m'apprend à utiliser ça. Ok, bonne direction. Plus bas? Plus haut? Ok. Bonne direction. Ah mince, mais il est où? Non mais il est trop haut pour moi en fait. Ok, il est là-dessus. Faut que je fasse le tour. Changer de fréquence. Cache-cache. Ah! Programme Odyssée, cache-cache. Incroyable. Et je peux le ranger. Et je peux zoomer. Oh, mais c'est fou! Ok, le gadget a l'air giga rigolo. Et je suis à peu près certain qu'il faut que du coup, j'avais pas trouvé qu'on pouvait aller sur le toit de la machine pour rien. Tranquille. Voilà, c'était sûr! Trouvé! Galen! Tu as trouvé ma cachette? Oui, j'ai trouvé ta cachette. Ok, donc ça en fait un. Est-ce que je suis censé trouver l'autre? Ouais, il y en a un là-bas, à 50 mètres. Comment je regrimpe? Oh, vous entendez ça? Le thème du jeu, on entend le thème du jeu en très léger au loin. Ce thème est hors du commun. Quelque chose me dit qu'il va être important, je sais pas pourquoi. On l'entend en brouillé. Peut-être que c'est juste que la personne qu'on cherche est en train d'écouter ça sur sa radio en fait. Ok, il est là. J'ai envie d'aller voir s'il n'y a pas un truc... Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, on a l'impression de regarder une vidéo YouTube. C'est marrant. Bonjour Review, bonjour Roi Patate. J'espère que ça va bien. Il n'y a jamais eu autant de gens sur mon live d'assez loin. Hein. 500, vous êtes presque 600, c'est une dinguerie ça. Oh. Joue le thème, je sais que t'en as envie. Knace. Salut jeune spationaute, il paraît que tu quittes le cratère. Ouais, je quitte le cratère, ouais. Si tu croises d'autres voyageurs, dis-leur de faire attention à leurs instruments. Dis-moi plus sur les instruments c'est une dinguerie.
J'ai fabriqué tous les instruments. Il y a les tambours, le banjo et la flûte. Incroyable. Et l'harmonica. De Feldspass. Feldspass? Je connais quelqu'un qui s'appelle Feldspass. J'ai déjà vu, je sais pas où, je sais pas quand, j'ai déjà vu quelqu'un qui s'appelait Feldspass, qui avait ce pseudo-là. Même ça fait un bail qu'on n'a plus eu de ses nouvelles, je revois ses séances d'harmonica près du feu comme c'était hier. On a des musiciens à trouver. Si t'entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Tu peux les chercher avec ton onduloscope. Hein? Attendez, mais du coup, est-ce que ça veut dire que... Oh! Oh! Écoutez! C'est quoi ce jeu? Il est fou! Y'a quelqu'un qui siffle sur la lune! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non mais... J'ai un très très bon pressentiment vis-à-vis d'Outer Wilds. Vraiment très très bon. Je sais pas vous, mais je me dis que... J'ai exactement le même feeling que quand j'ai joué 20 minutes à Tunic et que je me disais grand jeu. Je sens que ça a été fait avec amour. Y'a un mec qui siffle sur la lune. Non mais c'est un truc de fou. Je trouve une vieille qui joue du banjo. Elle me dit écoute avec ton onduloscope, y'a des musiciens un peu partout, y'a un mec qui siffle sur la lune qui est en train de passer au-dessus de moi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ok bon. Alors, je cherche la même personne depuis tout à l'heure. Je sais pas où. Alors toi t'es le pêcheur. On va aller voir ce qu'il y a en haut. En plus le DLC est tout aussi incroyable. Mais ouais, vous savez que je savais qu'Outer Wilds ça existait, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un DLC. C'est Panta de jeuxvideo.com, enfin c'est JV maintenant, qui m'a dit il y a genre 2 jours. Ouais, Outer Wilds c'est incroyable, mais en plus le DLC est incroyable. Et j'étais en mode, quel DLC? Alors toi tu parles pas, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, qu'est-ce qu'il vient de faire lui? Je suis sûr qu'il essaye de m'apprendre un truc. Lance une pierre encore? Oh! Ah! 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 Je suis mort encore? Je suis mort encore, hein. Frère, c'est bon. Ok. C'est pas la peine de me ressortir les crédits, j'ai compris. J'avais besoin de tester, j'avais besoin d'expérimenter. Me remettez pas les crédits, ça va être vexant. Et c'est bon, ouais. C'est bon, c'est drôle. C'était marrant la première fois, j'ai compris, il fait moi respawn juste. Et donc, y a pas de sauvegarde dans ce jeu? Ou c'est moi qui... J'ai pris 35 subs en 30 minutes, dit Curlux. Oh merde, et j'en ai remercié vraiment 2. J'en ai remercié 2, je suis désolé. Merci beaucoup. Il va y avoir des rediffs? Ouais, bah de toute façon, les VOD sur ma chaîne Twitch sont pas en sub only, donc vous pouvez revenir les voir quand vous voulez. Après, il y a une dinguerie à base de... Il y a une dinguerie à base de dans 2 mois, Twitch les supprime. J'ai découvert ça avec Tunic, en fait. Twitch a délaissé tous mes VOD Tunic. Il y a apparemment 2 mois de limite. Bon ok, donc c'est un jeu... Est-ce que c'est... Du coup c'est un jeu où je dois tout recommencer à chaque fois que je fais une erreur? C'est chaud quand même. Il n'y a pas d'option sauvegarder. Qu'est-ce que tu dis toi? Le grand jour est arrivé, ça me fait penser, la plateforme de lancement des fusées est plus toute jeune, ce serait bien d'en construire une qui prenne moins feu. La plateforme de lancement peut prendre feu? Ok, tu m'as mis un léger coup de stress. Lui, c'est le mec qui parle de vin. Ah, lui, c'est le mec qui veut unifuger la plateforme. Ça, c'est Mamie et son harmonica. Ça, c'est la plateforme de lancement. Ça, c'est la petite fusée pour le LOL. Je suis à peu près certain que je dois... Ok, observatoire, parfait, 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 parfait. On veut l'observatoire. Ça, c'est les 2 gosses que j'ai trouvés. Je crois que j'ai à peu près... parler à tout le monde. C'est important que je rate pas trop de gens parce que chacun d'entre eux a quelque chose d'intéressant à me montrer en fait. Hello, je viens de faire un don mais t'as pas les alertes Streamlabs. Merde, non mais ça j'ai pas non plus. Je suis désolé, j'avais les alertes Streamlabs il y a giga longtemps.
il y a giga longtemps quand je streamais quand j'étais petit et je les ai désactivées il y a bien des années, mais elles sont encore là. Non, faites pas des dons, on va pas les voir. Enfin, faites des dons si vous avez seulement envie de me donner de l'argent, mais il y a pas d'alerte, je sais même pas comment les réactiver. Non, mais je suis un giga amateur, bien sûr, je sais pas streamer, je suis youtubeur. Ça fait giga branleur de dire je suis youtubeur quand t'as pas 5 millions d'abonnés, mais là, à l'heure actuelle, je suis juste youtubeur, genre. Qu'est-ce que tu dis de beau? Oh, mais c'est Morène! C'est la personne qu'on cherche depuis 20 minutes. Je sais pas streamer, c'est déjà un miracle que le jeu il arrive dans le flux et qu'il arrive jusqu'à chez vous, m'en demandez pas trop. Salut astronaute. Beau temps pour décoller. Tu captes de la bonne musique aujourd'hui? Mon onduloscope est réglé sur la fréquence du programme Odyssée, ça me permet d'écouter la musique des voyageurs, mais ça c'est une dinguerie. Hein. La nuit dernière, j'ai entendu le banjo de Riebeck en provenance de Cravité. J'espère que ça veut dire que tout va bien. J'entends aussi les sons... Non mais c'est quoi, l'oscillateur, l'ondulateur? Ça a l'air d'être une dinguerie. Ça dépend de l'heure, du jour ou de la nuit, vu que les planètes sont pas dans le ciel en même temps. Ouais, s'il n'y avait pas eu la lune pile à ce moment-là, au-dessus de ma tête, j'aurais pas entendu la personne qui siffle. C'est cool les onduloscopes, on est très d'accord que les onduloscopes c'est très très cool. Captons un truc. Oh. C'est la grand-mère ça? Non. C'est à 5000 mètres! Et ça se déplace à 12 000 à l'heure! Non mais... Oh, attendez. Non, c'est... J'ai cru que c'était... Je suis en train... Je suis en train d'entendre quelqu'un qui joue du banjo de l'autre côté de l'espace et vraiment ça me fait triper. Oh, c'est la lune! C'est la personne qui siffle sur la lune, ok. J'en cherche d'autres. Hein? Attendez, quoi? Il y a des... Mec, il y a du tambour dans le soleil? Non, ok, c'est les planètes qui sont derrière le soleil. C'est la planète rouge là-bas. Oh! On peut entendre les deux en même temps? On en entend deux en même temps! Mais, attendez. Pause. Si je me barre au bout de la map, est-ce que je suis pas dans une position où je peux tous les entendre ensemble? Parce qu'ils jouent la même musique. Ils jouent la même musique. Si je me mets au bout de l'espace, je peux les capter tous en même temps. C'est une dinguerie. C'est sûr que c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais ici? Lire. Ruine Nomai. Est. C'est où l'Est? Donnez-moi une boussole. Sud. Cratère du bois quantique. Ah ok, non, c'est... Donc par là c'est l'Est. Par là c'est le Sud. Nord. Mont Geyser. Très bien. Donc pourquoi vous gardez des cailloux qui tuent les gens en fait dans votre ville? Cratère Jeune Séros. Ok. Ok, very good. Et la machine du milieu, elle fait quoi de beau? Utiliser le lance-guetteur. Lancer un guetteur. Oui. C'est une dinguerie ça par contre. Le truc est en train de traverser la planète et je... Ok. Ah non mais... Oh, il s'est mangé le... Ok, c'est un problème. Ah ouais, non mais faut être technique hein. Ok, donc dans cette direction c'est... Cratère du bois quantique. Et je suppose que... C'est quoi le but? C'est voir s'il y a quelque chose d'intéressant pour voir si ça vaut le coup d'y aller avec la fusée? Parce que je peux juste faire le tour de la planète en fusée, elle a pas l'air très grande. C'est un rythme en plus. C'est sûr que t'en ferais une... Ouais, Lodoui, je sens d'ici que c'est un jeu qui mérite une vidéo. Si je me mets au bout de l'espace. C'est pas possible, Mad Max, d'aller au bout de l'espace? Il y a une règle dans Outer Wild, si t'as envie de le faire, fais-le, mec. Je me demande s'il y a des limites de fuel dans la fusée. Salut, Shiro. Alors. Et là, on voit si on tombe sur un cratère. Parce que je suis dans la direction du cratère. Ouais, c'est ça. Ok, ça, c'est le cratère. Ok, c'est juste pour m'indiquer que... C'est vraiment juste pour m'indiquer qu'il y a des points d'intérêt dans les quatre directions et que vraiment ce serait pas idiot que j'y aille avec ma fusée. Ok, probablement qu'il y a des trucs intéressants à y récupérer.
J'ai vu de la fumée s'élever du cratère Genseros au nord, j'ai décidé d'aller y jeter un œil. Tu peux te servir du guetteur, mais évite de le casser en mon absence, Tectite. Ok. Question. Si je tire au nord maintenant en direction du cratère, est-ce qu'on va avoir Tectite? L'est, attendez, l'est c'est là. Donc en toute logique, le nord est là. Cratère Genseros, parfait. On va voir si on peut voir Tectite. Il y a en effet de la fumée. Il y a de la, très clairement de la fumée. Oula. Ok. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans le cratère. On voit la fumée, mais on est trop haut pour savoir si Tectite est là ou pas. Bon, expliquez-moi le délire avec ces cailloux, en fait. Cette enceinte referme une poche de matière fantôme. Substance d'un froid extrême. Ah, c'est le froid. Je suis mort de froid, en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. Traverser de la matière fantôme cause une intense douleur. Avec une caméra comme avec l'ondulateur par exemple? Comment je zoome déjà? Ouais, marche pas vraiment. Ah, l'appareil photo. Ah! Ah! Ok, mais ça veut dire que le truc qui indique qu'il y a de la matière fantôme, c'est pas les cailloux, c'est... Je suis obligé de prendre une photo à chaque fois? Parce que j'ai un... Je peux l'avoir à l'œil nu, c'est les pierres en fait. On dirait. Je sais pas si je peux aller dans cette direction. Oh, zéro. Ok. La grotte à zéro gravité, vraiment, ça a l'air incroyable. Oublie pas de passer me faire coucou avant le décollage. J'ai un entraînement en apesanteur. Ah, c'est parti. Ah, vraiment, l'entraînement en apesanteur, c'est juste parti. C'est toi, Gosan. Gosan, c'est le type dont on nous a dit tout à l'heure qu'il fallait revenir boire de l'alcool avec lui après le voyage. Petite crise d'angoisse. Moi peur? Non. Première fois qu'on t'a mis un réacteur dorsal, on a dû aller te repêcher dans le cratère près du pôle sud. Il y a un satellite qui a besoin qu'on le répare dans la grotte, ok? Si tu veux un entraînement en apesanteur dernière minute, tu peux y descendre. Ouais, c'est parfait. Ouais, j'ai carrément envie de voir ce qui se passe en 0G. Désolé de la demande un peu chiante, mais j'ai loupé les 30 premières minutes. Il s'est passé quoi de narratif? De narratif, pas grand chose. En vrai de vrai, pas grand chose. Lampe torche, ok. Est-ce que si je saute, je suis en 0G? Ok. Je suis en 0G. Enfin, pas vraiment. Pas vraiment 0. Je suis en faible gravité. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, je suis un jeune explorateur de l'espace sur sa planète natale et que je suis en... c'est le jour où je dois partir. Enfin, c'est le jour, mais la nuit est déjà retombée en fait. Donc, comment vous dire? Ok, excellent. Ça c'est bas et ça c'est haut. Et je peux pas monter beaucoup plus haut que ça. Comment ça va, Tuf? J'ai passé un petit peu... Attends, qu'est-ce que t'as des trucs à raconter? Il se passe pas grand-chose par ici. Mec, c'est une grotte. Il doit pas souvent se passer grand-chose. Tectite a vu quelque chose s'écraser en dehors du... Ouais. Tectite, t'es au nord dans le cratère. Il faut vraiment que j'y aille. C'est le deuxième PNJ qui me parle de... Ah, ok, la gravité est de 0,4. Donc il doit y avoir des endroits où la gravité est encore plus légère que ça. Oula. Ok, il va falloir manœuvrer ça correctement. Parce que vraiment, on a déjà découvert que... si on se casse les chevilles dans ce jeu, c'est game over. Oula. Pardon. Ça descend jusqu'où, en fait? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? 0 sur 3 réparé. Oh, je suis en vrai... Ok, ici, je flotte. Je suis en vrai 0G. Oh, ça va être extrêmement perturbant de savoir où est le haut et où est le bas. Quel enfer. Appuyer. Ok, ça sert à pas. Ok, il y a un système de... Comment je m'arrête? Au secours, je panique. Comment est-ce que je me remets droit? J'ai pas besoin d'être droit en fait. Et de 1, bien joué. J'ai pas besoin d'être droit en fait. Droit veut rien dire dans ce... dans cet univers, droit veut rien dire en fait. Du moment que je suis près de mon objectif, on est bien. Arrêtez. Ah, ida dodo. Ok, et en fait ils m'ont mis un système grave sympa.
Si je suis suffisamment près d'un truc, je peux me loquer dessus et ça va. Ok, le dernier doit être... Oula, 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 oula. On peut partir loin. Salut Review, salut. Comment ça va? Je suis à toi dans une seconde. Je galère un petit peu avec la 0G. En fait, si je me lance trop longtemps dans une direction... Je me mets à partir vraiment vite, en fait. L'inertie se conserve un petit peu trop. Il est où mon troisième truc? Ah, ici, 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 à l'intérieur. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Arrêtez! Excellent. Et voilà! Simulation terminée. Mais attendez, mais c'est la sortie de la planète ici? Mais je suis... Je suis genre dehors? Ah non. Non, c'est... c'est les murs de la grotte qui brillent et qui m'ont donné l'impression que c'était des étoiles. Je sais pas... Ouais, c'est perturbant. En vrai, c'est perturbant de fou. Hein. Non, en vrai, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai cru qu'il m'avait expédié dans l'espace. Je me suis fait avoir comme un idiot. Bonjour. Aoi 2. Non, le jeu est fou. Il leur a fallu 5 secondes pour m'abattre. Je sais pas comment j'ai cru que c'était possible qu'en allant au centre de la planète, je puisse me retrouver dans l'espace, mais je me suis dit que c'était une sorte de portail. Ok, faut qu'on retrouve la sortie. La sortie était où? Au secours. Là-bas, 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 là-bas. J'ai la sortie. Oh là, oh, je me suis vraiment propulsé. Chill. Oh, oh, si je me mange un mur trop vite, est-ce que c'est la fin de l'aventure? ?50% de carburant restant, quoi. Pardon. Excusez-moi, 50% de carburant restant. Ah bah, bien joué à tous. Bien joué à tous, excellent tutoriel. J'ai toujours ni stylo ni feuille. Hein. J'ai un problème de type. J'ai un problème de type, si ce jeu contient des énigmes qui réclament un stylo et une feuille, on est foutu de nouveau. Ok frère, j'ai réparé ton truc. Bon travail. Ce sera bien sûr un petit peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial. Frère, mais dans le vide spatial, ça va être la panique. Vous savez ce qui va se passer? Ma première vraie sortie spatiale, je vais me gourer dans mes propulsions, je vais partir dans le vide interstellaire et ça va être la panique la plus complète. Hein. Tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Va chercher les codes de lancement à l'observatoire. J'ai toujours pas trouvé l'observatoire. L'observatoire, c'est pas le... Attendez. 0G, observatoire, par là. Ok. Il va se passer un truc regrettable, c'est vraiment je vais partir à l'autre bout de l'espace, je vais être en voyage pendant 3 jours. Et à la fin, je vais juste mettre un coup de propulseur un peu trop fort, me manger un mur un peu trop vite et reprendre le jeu de zéro et je vais être juste malheureux. Ah, c'est ça l'observatoire. Ça a une forte tête d'observatoire. J'ai Paint, c'est vrai, j'ai Paint. Dans le pire des cas, on utilisera des spaghettis. Membre fondateur du programme Odyssée. Cornet, Gossan, Ardoise et Feldpath. J'ai déjà croisé Cornet et Gossan. Peut-être Ardoise. Feldpath, je l'ai pas vu. Ardoise, je sais pas, j'ai un doute. Qu'est-ce que ça dit de beau? Cette statue fut sculptée par les Nomai. Il y a des milliers d'années, constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai. Ils avaient 3 yeux et des tentacules. On a retrouvé leur structure sur presque chaque planète de ce système et on sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Ok. Mystérieux. Qu'est-ce que tu dis, Al? Traducteur portable. Ah, comment ça, traducteur portable? Ah, oh, il va y avoir de l'archéologie, il va y avoir des vieilles ruines et des trucs à traduire, ça va être fou. Tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai. On a passé énormément de temps sur cet outil. Ça a l'air fou, ça. Je veux juste les codes de lancement. Tu viens voir la nouvelle statue Nomai. On va dire oui pour lui faire plaisir. C'est la première statue intacte qu'on trouve. Apparemment, vous l'avez trouvée il n'y a pas longtemps. Tu veux pas me donner les codes?
Ok, en fait, c'est juste pas lui qui donne les codes. Probablement que les codes sont quelque part par là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à... Comment ça, coming soon? Futur site de notre nouvelle exposition. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Oh, il y a l'air d'avoir des trucs à comprendre. Oh! C'est mon traducteur. Ok, il a... Oh, nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction. Et d'après, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Ok, chaque ligne... Ok, chaque ligne qui fait turbulence. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque ligne qui fait blub blub blub, c'est une phrase différente. L'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Et ça là, c'est du texte aussi? Non. Seulement les lignes. Écrit Nomai, permis de déchiffrer leur langue singulière. Oh, c'est leur pierre de rosette à eux! Elle a même plus ou moins une forme de pierre de rosette. La structure est linéaire. Les textes Nomai se divisent souvent en plusieurs segments reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. Ouais, celle-là par Félix et celle-là par Cassava. Ok, ok, ok. Les Nomai étaient également des artistes. La découverte nous amène à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante. Il y a l'air d'avoir des trucs incroyables à découvrir. Un squelette de Nomai. Le crâne indique qu'ils étaient pourvus de bois. Et effet étonnant, ne disposaient que de trois yeux. Leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. Ok. Je suis désolé, je prends un peu de temps. Je prends un peu de temps, mais je suspecte fortement que c'est le genre de jeu où tu rates un truc essentiel juste en passant bêtement, genre. Je pense qu'il n'y a que des trucs qui vont m'être très utiles plus tard. La technologie fut une véritable aubaine. Ok, c'est leur technologie qu'on utilise pour se balader dans l'espace. Le guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion. Les astronomes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément. Ça, c'est très pratique, ça. C'est comme le coup de sifflet pour rappeler Roach dans The Witcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cristal. Ils l'ont trouvé sur Cravité. C'est pas la première fois que j'entends parler de Cravité. Il y a un des membres de l'expédition Odyssée qui est sur Cravité, celui qui joue du tambour, c'est ça? Ça qu'on m'a dit tout à l'heure. C'est le livret, la réponse? Yamraya, t'as tout à fait raison, tout est dans le livret. On vous avait dit dès le début que vraiment tout est dans le livret. Hein. Si quelqu'un dans le chat a pas réussi à trouver avant moi comment ouvrir la porte alors que vraiment j'ai... Je veux dire, vous aviez un truc que j'avais pas. Vous aviez quelqu'un qui vous a dit dès le début que tout était dans le livret en fait. Si dans la vidéo, quand j'ai dit comment est-ce qu'on ouvre la porte, vous avez pas trouvé, c'est scandaleux. Ok, le cristal génère une distorsion gravitationnelle. Je note... Oh non. Oh, il va y avoir des délires qui filent mal à la tête. Oh, il va y avoir des... Ça, je sais que une fois sur les planètes aliens, il va y avoir des grottes immenses avec 12 000 de ces trucs et ça va être un enfer. Quel enfer. Le spécimen de Coelacanth a été retrouvé attaché au train d'atterrissage d'une de nos fusées. Il est adapté à une vie en milieu obscur, présentant une atmosphère limitée. Bah, il viendrait pas de la planète... Il viendra pas de la planète d'eau avec apparemment des bestioles flippantes dans les profondeurs, lui? Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone. Très bien. Puis l'étoile s'effondrera sous le poids de sa gravité et explosera. Un événement violent appelé supernova. Il peut y avoir des supernovas dans ce jeu? Notre soleil connaîtra un jour le même sort. Pas trop vite, frère. Plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente, ce qui entraîne l'élargissement des couches externes, l'étoile devient alors une géante rouge. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Ok, donc c'est évolution, c'est
Jaune, grand rouge, ça part en sucette. En tout cas, je les ai lus dans le mauvais sens. Attendez. Attendez une seconde. Attendez une seconde. On est de nuit là. Ouais, on est de nuit là. Je vais pas pouvoir le voir. Je vais pas pouvoir le voir, mais je vais pas vous mentir. Quand je l'ai vu de jour, il était très gros et très rouge. Vraiment. Il avait vraiment la gueule du soleil avant la dernière phase. En rouge, c'est plus froid? Ok. Bon, on verra une fois que le jour sera levé. Ah, mais d'ailleurs, le jour se lève là-bas. Vous savez quoi? On va attendre 2 secondes et j'ai envie de checker un truc. Oh! Oh! Harmonica! Oh! Les musiques sont folles. Bon, ok, peut-être que le soleil est pas si rouge que ça. Bon, le soleil est énorme, mais en vrai, il a l'air relativement normal. Enfin, il est vraiment gros, hein. Ok, j'ai toujours pas trouvé les codes. On va partir du principe que les codes sont en haut. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié de lire? Oh, c'est quoi ça là-bas? Attendez. Qu'est-ce que ce truc? La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente. Une illusion d'optique. Tout le monde s'accorde à dire que l'effet est carrément flippant. Attends, il a dit quoi? Gabbro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée. Quoi? Ouais, elle change. Est-ce qu'elle change ou est-ce que je me fais des idées? Ah bon? Comme la quantique. Comment ça, comme la quantique? Oh! C'est hautement perturbant. Ok, faudra retenir que si on tombe sur... Il n'y en a plus qu'une. Faudra retenir que si on tombe sur des cailloux... Oh, attendez, on dirait une tête. Si on tombe sur des cailloux chelous comme ça, faudra genre... Faudra essayer de pas les regarder. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Ces balles bougent toutes seules. Le sol est parfaitement plan. Oh, elles réagissent à la lune. Rocaille génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes. Ne faites pas exception à la... Je ne fais pas exception à la règle? Comment ça, je ne fais pas exception à la règle? Vous êtes sûr qu'elles bougent? Elles doivent bouger très lentement, genre. Elles doivent indiquer dans quelle direction est la lune ou une bêtise comme ça. Ok, very good, j'aime bien. J'ai toujours pas trouvé les codes. J'allais me barrer. J'avais complètement oublié. C'était... Ils m'ont montré 2 cailloux qui se téléportent et Attends. Il y en a jamais eu 2? Non, comment ça, il y en a jamais eu 2? Il y en a vraiment jamais eu... Oui, mec, il y en a jamais eu 2. Oh, il y en a jamais eu 2, mais je suis un débile. Attendez, je viens de découvrir un truc de fou. Il y en a jamais eu 2. Attendez. On a l'impression, mais... Ouais, on a l'impression, il y en a qu'un, il fait des jumps. Je suis vraiment... jamais eu de... Le jeu est déjà en train de me dégommer le crâne. Bien sûr qu'il n'y en a jamais eu deux. Je l'ai vu en arrivant dans la pièce. Comment j'active... Ouais, voilà la lampe torche. Observation de la cornée. Incroyable, j'ai d'abord cru que ces points lumineux étaient des étoiles, mais ce sont des galaxies. On peut voir qu'une partie infime du firmament. L'univers compte au moins 1000 fois plus de galaxies qu'on ne le pensait. Ouais, ça fait beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a plusieurs... Ok, non, c'est pas... Il n'y a pas de texte différent selon la...
selon la page que je vise. Si j'en crois mes calculs relatifs au décalage vers le rouge, chaque galaxie sur cette image s'éloigne de nous. Les galaxies les plus lointaines s'éloignent le plus rapidement. Comme si l'univers tout entier était en expansion. Si c'est bien le cas, est-ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches les uns des autres par le passé? Jusqu'où pouvons-nous remonter ainsi? Tu viens de découvrir le Big Bang en vrai. Oh. Toi t'as une tête de... Ah mais c'est toi Cornet. Ah mais je croyais que c'était la vieille Cornet, je suis complètement idiot. Donne les codes. Je viens de terminer les observations, les conditions sont bonnes. C'est l'heure de prendre mon envol. Tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur. Oui ça c'est incroyable. Vous êtes sûr que vous voulez pas filer le traducteur à quelqu'un de plus expérimenté? Qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Qu'est-ce que je compte faire une fois dans l'espace? Je veux explorer des lieux inconnus. Personne n'a jamais atterri sur l'intrus. C'est quoi l'intrus? Si tu souhaites te rendre sur Sombronze, fais attention, c'est également un lieu inexploré. Et tu tarderas pas à comprendre pourquoi. L'endroit s'appelle Sombronze, c'est déjà un problème. C'est pas accueillant. Ok, il m'a donné les codes. Exactement 53 minutes après avoir lancé le live, et alors que c'est la toute première chose qu'on m'a demandé de faire, j'ai enfin obtenu les codes de lancement. Messieurs, dames, j'espère que vous êtes fiers de moi. Oh! Ah mais j'ai une carte! Ah oui! Excusez-moi. J'ai une carte, on est sur Atrebois. Où est-ce qu'on va en premier? Où est-ce qu'on va en premier? En vrai, les deux choix évidents sont Cravité, parce qu'il y a quelqu'un qui joue le tambour et qui a l'air sympa là-bas. Et Léviat, parce qu'il y a le délire avec, avec le courant sous-marin et la créature flippante des profondeurs. Sombronze, apparemment, c'est flippant de fou. Mais c'est très loin, je sais pas si je suis capable d'y aller. Sablière, j'en ai jamais entendu parler, comme ça c'est simple. Et il y a la lune. Ah mais attends, peut-être que... Il y a peut-être qu'il y a des lunes sur plusieurs planètes en fait. Ouais, ok. Ok, plusieurs planètes ont des lunes. Il y avait une courbure de planète en pointillé. T'es sûr que c'est une courbure de planète ça? C'est quoi cette espèce de point qui brille? Il y a un truc qui brille un peu plus que les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, bon, faut retenir qu'il y a une espèce de petite étincelle de je sais pas quoi. Et je suis pas sûr que le pointillé ce soit... Ah si. C'est-à-dire, je suis pas sûr que le pointillé soit un itinéraire de planète parce que ça ressemble juste à un truc qui est perpendiculaire au reste. Ok, il y a un machin rouge. Oh, ça va être un enfer à intercepter cette merde. Si vraiment faut que j'intercepte le bidule rouge, on n'est pas rendu, hein. Ok. Et ça c'est quoi? C'est pas la première fois qu'il y a un... Ça là, arrêtez de disparaître. Vous voyez l'espèce de petit machin bleu là? Que je vise là? Et à chaque fois que je m'avance, il... Casse les couilles. T'as pris le DLC? Je crois pas. Et, alors, je l'ai parce que j'ai le Game Pass. J'ai téléchargé la version qui est sur le Game Pass, je sais pas si ça comprend le DLC ou pas. Ok. Panoramique, rotation, zoom, ouais. On a le droit au conseil ou zéro backseat? Bah écoutez, on va appliquer la même politique que sur Tunic. C'est-à-dire que de façon générale, on spoil pas. On essaye de la jouer cool. On essaye de la jouer pour le bien de l'aventure. Donc on spoil pas, mais si je suis vraiment stuck 5 heures sur un truc, vous pouvez commencer à me filer des petits indices. Je vais pas fumer quelqu'un parce qu'il me file un léger indice. Par contre, si vous spoilez, bah ça va être triste quoi. Ok. Bon, écoutez, je crois que c'est code de lancement, --.. Ça ressemble à du morse, mais j'ai jamais été foutu de parler le morse. Après, il y a que deux dash, ça doit se traduire extrêmement vite. Hein. Elle est où la sortie? T'as jamais besoin de backseat sur le jeu, si t'es bloqué, tu peux explorer ailleurs pour te débloquer. Oui, en vrai. Ouais. On verra. Faut découvrir ta fusée. Oh, oui. Pardon? T'as toujours fait ça, frérot? C'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Tu viens de piquer mes souvenirs? Rends-moi mes souvenirs en fait. La statue elle vient de... Pourquoi c'est la nuit d'un coup? Qu'est-ce qui vient de se passer? La statue vient de me piquer mes souvenirs. Elle a regardé dans ma tête, elle a checké. Je sais pas si j'ai fait les choses bien ou mal. Parce que la statue vient de checker tout ce que j'ai fait depuis le début de la game. Et il s'est rien passé. Je sais pas si elle approuve ou si elle désapprouve. Est-ce que j'aurais dû lui montrer quelque chose de spécial? Elle a les yeux ouverts maintenant. Comment ça le jeu commence? Comment ça le jeu commence? Ça joue de la flûte là-bas. Ça, c'est les ça, c'est Léviat. C'est la planète de l'eau. 10 000 mètres. 11 km. Je vais pas vous mentir que 11 km, c'est pas très loin pour une planète, mais... Tranquille. Écoutez, la bonne nouvelle... Alors, j'ai pas de modo. J'ai pas de modo, donc j'ai pas grand-chose pour me protéger contre le spoil. Je peux juste compter sur la bonne volonté des gens. Et voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est que je lis très peu le chat. Étant un streamer catastrophique, les chances pour que je tombe sur un spoil en regardant sont faibles. J'ai Milou qui est modo. Milou est modo, mais Milou est tout seul. Milou va pas... Milou peut pas gérer 20 heures de live solo, genre. Il a le droit de pas être là, genre. Non, on est jusqu'à maintenant, on a... Attendez, il parle de la statue. Elle a ouvert les yeux, j'ai vu des images de mes propres souvenirs. Comme une hallucination. Je le prends pas mal, mais on peut te laisser... Je suis pas fou, frère. Je te jure, je suis pas fou, la statue, elle a volé mes souvenirs. Il y a un truc qui cloche avec cette statue. Gabro pensait retourner sur Léviat. Je sais pas sur quelle île. On va clairement commencer par Léviat, ce Gabro il a l'air intéressant. Est-ce que vous pensez que je parle de la... Est-ce que vous pensez que je parle de ce que la statue a fait à Cornet en balle? Juste pour savoir. On va peut-être commencer par Léviat. T'as fait le jeu pour savoir ce qui est du spoil ou non? Bah non, je découvre le jeu. Je peux pas savoir si un truc est du spoil ou pas. La seule protection que j'avais dans Tunic contre le spoil, c'est qu'on n'était pas très nombreux au Tunic. Tunic, j'avais 100 personnes maximum sur le chat. D'un seul coup, vous êtes 7 fois plus nombreux. Donc c'est vrai que les chances de spoil sont peut-être un peu plus énervées. Mais j'ai pas de modo. Oh, elles sont presque alignées. Oh, regardez. Elles sont presque parfaitement alignées. Elles sont presque alignées. Je sais pas s'il se passe un truc spécial quand elles sont alignées, mais c'est stylé. Oh, l'intrus. On voit l'intrus. Pourquoi on voit l'intrus alors qu'on le voyait pas avant? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi? Pardon? Le code morse, c'est Iwa, j'ai check. Ok, stylé. Iwa? Comment ça, Iwa? Le drift, oh, elle pareil, elle va être marrante à intercepter. Sablière rouge, sablière noire. Oh, mais c'est pas une lune, c'est deux planètes l'une à côté de l'autre qui sont reliées en plus. Oh, truc de dingue. Ok, je sais pas pourquoi on n'avait pas l'intrus la dernière fois. On a le droit de théoriser avec toi. Vous avez parfaitement le droit de théoriser. Hein. Si on cherche ensemble, c'est cool. Hein. Elles sont... Ok. Je parle 2 secondes à Cornet, voir si il a un truc à dire sur la statue. Rebonjour. Tu as besoin de quelque chose? La statue Nomai a ouvert les yeux, frère. La statue a regardé dans ma direction. Oui. C'est formidable, ça fait des semaines que je passe des nuits blanches sur ce problème. Tu as suscité une réaction de la part de la statue, alors j'ai l'impression qu'il a un petit peu le seum. Frère, la statue m'a volé mes souvenirs, pas les tiens, pas la peine d'être jaloux en fait. T'avais juste pas ce qu'il fallait pour attirer l'attention de la statue, c'est pas grave. T'as le droit d'être inintéressant en fait. Oublions ça, la science m'appelle, il en a rien à foutre en fait. Il en a rien à foutre. Dis-moi plus sur Feldpass. Oui, dis-moi plus sur Feldpass. C'était l'un des 4 membres fondateurs du programme. J'ai pas travaillé avec Feldpass, mais je peux te dire une chose, il était brave comme pas deux.
Pas mal les premiers. C'est un miracle s'il fait de battre avec eux aussi longtemps pour voir l'espace. Toujours. Ok, et il est où maintenant? Un jour, on n'a plus eu de nouvelles. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Ok, il est quelque part dans l'espace. Il est peut-être mort, il est peut-être vivant, mais il est quelque part dans l'espace. Il faut qu'on trouve Feldpath. Je suis sûr que je connais quelqu'un qui s'appelle Feldspath. J'en suis sûr. Sa disparition remonte à bien longtemps. Où sont les autres voyageurs? Ok, Child est sur Sablière, Riebeck sur Gravité, Gabbro sur Léviath, ça on le savait, et il y a Feldpath, ok. Valider les dialogues avec X plutôt que A, ça me perturbe au plus haut point. Il était brave comme pas deux. T'as une théorie sur le soleil, quelle est la dernière étape avant la supernova? Je pense que t'as raison, mais moi aussi, frère. T'as vu la couleur du soleil sur le système solaire en 3D, là, tout rouge? Attends, ah ouais? Mec, ça m'inquiète de... En fait, tout ce qu'il y a dans ce musée est important. Ça m'inquiète de fou qu'il y ait un exposé sur une supernova. Je veux pas te mentir, ça me stresse. Laissez-moi regarder la carte. Il y a Mavinus qui m'a mis dans le doute, là. Qui m'a mis un petit peu dans la crainte. Le soleil est... Ouais, il est orange. Je sais pas si je qualifierais ça de rouge, mais il est bien orange, genre. Il est correctement orange foncé. Oh, attendez. Il y a un satellite sur le soleil. Ok. Oh, va vraiment pas falloir se rater, hein. Parce que je le connais, le petit coup de réacteur à gauche intempestif qui nous envoie dans le soleil. Ok. Ok, donc dans les trucs bizarres qu'on voit pas... Tout de suite. Il est plus orange que tout à l'heure, je sais pas si. J'ai pas checké tout à l'heure. Commencez pas à me faire stresser. Non, il est pas plus orange que tout à l'heure. Il est d'un orange tout à fait raisonnable. Il est d'un orange tout à fait chill. C'est une bonne couleur pour un soleil. C'est une bonne couleur. Oui, il y a des trucs qui brillent là. Il y a deux trucs qui brillent. Oh non, oh non, non! J'ai mis play. Oh, hein? Yo, les aliens, arrêtez de faire des trucs étranges. Est-ce que la statue c'est... Ah, ok, non. Ok, pendant une seconde, j'ai cru que la statue c'était un point de sauvegarde. Oh, j'ai encore les codes de lancement. Et je me suis pas fait... Je me suis pas fait crédit, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? La statue était un point de sauvegarde, en fait. C'est ça, ok. Je me ferai pas renvoyer... Je me ferai probablement pas renvoyer avant le moment où j'ai chopé les codes de lancement. C'est ça, hein. Outer Wilded, je me suis fait Outer Wilded 4, là. Supposons que... Yes. Ok, on est bien. Non, mais c'est bon, en fait, on y va. On part à l'aventure. J'en ai plus rien à foutre. Je reçois des messages. Depuis qu'on a parlé du spoil, je reçois des DM sur Twitch, mais je n'ose pas les ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a du spoil dedans? C'est le stress. J'ose pas cliquer dessus. C'est parti. J'en ai rien à foutre. Je les ai déjà récupérés. Hein? Oh, attendez. Tu devrais d'abord aller chercher les codes de lancement. Je les ai déjà récupérés. Tu as oublié. Oh. Il se souvient qu'il vient de crever. Il se souvient. Ok, chill. Le personnage principal garde les souvenirs des parties précédentes. Mais les gens autour de lui, non. T'as fait un cauchemar ou quoi? Ok, je... Ok. Pourquoi? Vous pensez qu'il se serait passé quoi si j'avais été tenté de monter là-dedans avant de me faire bipper par la statue? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, si je monte dans l'observatoire et que je prends les codes, je me fais automatiquement bipper par la statue à la sortie. Et les codes, c'est le premier truc important dans le scénar qui se passe. Donc à partir du moment où je me suis fait bipper par la statue, j'ai pris conscience des parties précédentes. Mes deux premières morts idiotes, où je me suis fait crédit deux fois, il n'en a pas les souvenirs. Mais ma dernière chute, il les a parce que c'est post-statue. On y va, ok. On retient ça. Je sais pas pourquoi, mais on retient ça. Ok, j'ai une combi pour me balader à l'extérieur. J'ai un journal de bord, c'est lourd. J'ai un truc.
C'est une pierre anti-gravité, ça. Qu'est-ce que je peux écrire dans mon journal de bord? Léviat, ok, j'ai des infos, c'est une sorte de... Tranquille, tranquille. Bon. C'est le... Ok, alors, c'est le grand moment. Je... Dans les simulations, quand je conduisais la petite, qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas une seule fois où je l'ai pas crash. Donc chill, on y croit. On se concentre. Left shift décoller? Comment ça left shift? Pourquoi c'est plus les mêmes touches? Eh, c'est pas comme dans la simulation. Tab, ok, tab c'est la carte. Caméra de décollage. Ah, j'ai une caméra pour voir sous mes fesses, ok. Ok. J'aime bien. On a pris de l'altitude. Est-ce que je tombe là? Non, ok, je suis en dehors de la gravité de la planète. Si, je tombe un peu quand même. Ah! Oh, c'est le cratère. C'est le cratère. Est-ce qu'on va checker le cratère ou est-ce qu'on se barre à l'aventure? C'est quoi ça? C'est la rocaille. Elle est pas loin. Hein. Eh, on irait voir le cratère avant, j'ai envie de faire... Oh, mais c'est l'intrus! Et j'en ai rien à foutre. Il est droit devant moi. Il va passer devant ou derrière le soleil? Derrière, merde. On peut-être l'intercepter. Il y a machin avec ses quatre yeux qui a dit que personne n'avait jamais atterri sur l'intrus. Il est là. Oh! Oh! Voilà. Ah, je vais trop vite! Arrêtez! Non, reviens! Comment je... Ok, c'est... J'ai trop d'inertie. J'ai trop d'inertie dans le mauvais sens! Oh, attendez, je suis en train de close le gap, là. Non? Je suis en train de me faire attirer, là. Arrêtez. Arrêtez, monsieur, je suis en train de me faire attirer par le soleil. Oh non. Je crois que j'ai réussi à échapper au soleil. Oh, quel enfer. Oh, quel stress. Oh, mais il est pas loin. Ok, je suis passé beaucoup trop près du sun. Je continue ma poursuite de l'intrus. Ah, il part super loin. Non? Hein? Ah, j'ai paniqué. Oh, c'est une horreur. C'est un cauchemar. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais à 1000 à l'heure. En fait, attendez. Ok, pour être sur sa trajectoire, faut que les flèches soient genre... Faut que je comprenne un truc avec les flèches. Ça veut dire que je suis trop haut? Flèche vers le haut, ça veut dire que je suis trop haut ou que je suis trop bas? Oh, quel enfer. Non, mais il bouge aussi. Enfin, elle bouge toute, mais... Faut que je commence à ralentir longtemps avant d'arriver sur elle, déjà. Mec, c'est dur. Pourquoi je parte? Il vient vers moi, là. Hein. Là, il vient forcément vers moi. Hein. Mais je vais m'écraser. Oh! Oh, j'étais si close. Non, mais c'est trop dur. Non, mais les amis, vous vous rendez compte de la difficulté du truc? Bon, maintenant c'est mort parce qu'il s'éloigne, mais attendez. Ah non, peut-être en le rattrapant en vrai. Comment je me pose? Vous voyez la vitesse à laquelle je vais? Comment je me pose sur un truc pareil? Y'a pas le soleil derrière moi? Je vais pas me faire griller les fesses? La caméra pour télé. Ouais, en vrai. C'est quoi le bouton de la caméra? Mode atterrissage, attendez. Hein? Attendez. Mais non, mais pose-toi. Parfait. Et maintenant? Qu'est-ce que je fais? Comment je... Attendez, qu'est-ce que je fais maintenant? Se détacher. Oh, je suis dessus. Oh, j'étais tellement en stress. Attendez, combinaison. Oh, mais je suis dessus, mais quelle dinguerie! Non, mais quelle dinguerie! Non, mais j'espère que vous êtes fiers de moi! Qu'est-ce que je fous ici? Par contre, vraiment, si je fais un jump, le truc est minuscule. Je fais un jump malencontreux. Je pars dans l'espace. Hein. Et c'est vraiment, c'est terminé. Qu'est-ce que je suis censé trouver ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux descendre là-dedans?
Non, c'est de là. C'est de la glace. C'est de la glace, ok. Est-ce qu'il y avait le moindre intérêt à être ici? Rentre à l'intérieur. Bah, par où? C'est une comète, il y a de la glace. Oui, alors j'ai compris que les stalactites à l'arrière, c'était de la glace. Oh, c'est... Ok. Il y a peut-être rien. En vrai, il est fort possible que ce soit un truc de plutôt de fin de partie et que j'ai pas les outils à utiliser ici encore. Faut que je fasse attention à mon carburant. J'ai pas de... Pas de programme ici. Oh, je suis en train de... Oh là! Oh, je suis en train de glisser. Chill, chill, chill. On est au bout de la comète. On est au bout de la comète. No spoil, les gens. Ah, y'a des gens qui spoilent dans le chat? Des gens qui spoilent dans le chat, là? Pendant que je regarde pas? Des gens qui osent? Je vais jusqu'au bout. Je vais vraiment au bout du bout. Oh, mais... Oh, peut-être... Attendez, peut-être par l'arrière. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut rentrer par le boule de la comète? Oh, ça va mal finir cette histoire. C'est quoi la procédure d'urgence si je suis perdu dans l'espace? Tout seul. Ok, petit coup de lampe éclairage, déjà. Oh! Oh! Wait! Il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Traduire. Voilà qui est problématique. Il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Si nous restons trop longtemps à la surface, la navette pourrait complètement geler. Pardon ? Pardon ? Si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge ? Hein ? Si, mais ça rendra l'exploration de la comète... Attendez, attendez. Beaucoup plus difficile tant que personne n'aura rappelé la navette. N'aurions peut-être pas dû atterrir sur la face cachée de la comète. Je suis pas sur la face cachée. Je suis sur la face où... Non, non, chill. Je suis sur la face où il y a de la lumière. Si l'une d'entre nous restait à bord de la navette, pourrait-on continuer à faire chauffer les moteurs et surveiller la surface ? Je pense que c'est une bonne idée. Si tu ne vois pas d'inconvénient à rester ici, nous allons explorer la surface. Ok, donc ça c'était leur... Ok, ok. Est-ce que je peux explorer leur vaisseau? Comment j'entre dans le vaisseau des aliens? Bon, alors vraiment, à l'heure actuelle... Qu'on soit bien d'accord, à l'heure actuelle, il y a 50% de chance pour que mon vaisseau soit en train de geler, genre. Mais... Oh, je suis à... Déjà... Oh, je suis à la moitié de... je suis à la moitié de mon carburant et bientôt à la moitié de mon oxygène. Quel enfer. Je vois pas d'entrée, genre. Il y a beaucoup de glace. Il se pourrait que plus tard dans le game, j'ai un moyen de faire fondre la glace. Attention à l'oxygène. Ouais, 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 attention à l'oxygène, c'est la sauce. Petite astuce, tu peux depuis les options mettre pause le jeu lorsque tu lis. Ah, c'est smart. C'est smart, mais c'est un petit peu de l'abus, en vrai. Est-ce qu'on veut pas un petit peu le stress de... Bon, écoutez, s'il y a une façon d'entrer dans ce vaisseau, je suis aveugle. Je vais retourner à ma... Je vais essayer de retourner. Je sais pas du tout dans quelle direction c'est. Je vais essayer de retourner. Oh. Ok, la fusée. Ma fusée est là-bas. Very good. Oh, je glisse. Ah, je glisse. Je glisse, je glisse, je glisse. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oh là là. Oh, je glisse tellement vite. Ok, incroyable. Ok, ok. Vous voyez, on est sur la face éclairée. Tout va bien, tout va bien. Dis-moi que t'as pas gelé, frérot. Non, tout va bien. Chill. Ok. C'était cool. C'était cool, c'était cool, c'était cool. Je sais juste pas s'il y a autre chose à trouver, mais on pourra revenir. Bon, le truc, c'est qu'il faudra pas qu'on... J'ai envie d'aller voir le... Vous voyez la carte de l'astéroïde que j'ai à gauche? Je vais juste checker rapidement si c'est... s'il y a un truc important au pôle nord et au pôle sud. Non, la réponse est que dalle. Gaz, gaz, gaz. 3 minutes d'oxygène. Ok, ok, j'ai compris. J'ai compris. Bon, faudra pas démultiplier les allers-retours ici parce que atterrir ici, c'est casse-couille. Mais on sait que c'est possible. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? La glacelle. Oh, oh. Ok. Mais oui, bien sûr. Attendez, le vaisseau, il est de quel côté le vaisseau? Ah! Ça fond avec le soleil, ça fond si on est près du soleil, mais bien sûr, mais c'est si smart! Il est où le vaisseau? J'ai raté ma chance. J'ai raté ma chance, le vaisseau, il aura gelé de nouveau. Quoi? Quoi?
Mais il y a pas, il y avait pas un système, il y avait pas un système pour le ramener. Il me reste 20 secondes d'oxygène et la fusée est à 2 km, let's go. Pourquoi en fait? Elle s'est détachée parce qu'il n'y avait plus de glace? J'ai joué avec le feu, j'ai pas joué avec le feu, le feu est venu jouer avec moi en fait. J'en profite pour aller... Alors je pense que la glace a déjà respawn. Mais je check rapidement si... Il était où le vaisseau? Je sais absolument pas il était où le vaisseau, hein, vraiment qu'on soit bien d'accord. Niveau carburant critique, vraiment frère? Tu crois pas que j'ai un autre problème? Ma fusée est à 3 km. Avant de crever... Bon, je vais probablement respawn, mais avant de crever, je dois checker le vaisseau, genre. Ok. Ouais, il a gelé à nouveau. Ok, very good to know. On peut... Ok, on peut être ici au moment où on passe près du soleil et dégeler ça. Ok, messieurs, dames. Question. Est-ce qu'il y a un bouton dont je connais pas l'existence qui permet de ramener la fusée ou est-ce que c'est game over déjà, genre? Parce qu'ils avaient dit... Comment ça, non? Ils ont dit dans le musée qu'ils avaient une technologie pour ramener le vaisseau. C'est scandaleux. Et on est d'accord que le soleil reviendra pas suffisamment vite pour dégeler ce truc avant que je suis à court d'oxygène? On est tous d'accord? Ok. Bah c'était... Vous savez quoi, c'était une cool première expédition. Je... Ok. Je comprends toujours pas. Il s'est décollé parce que la glace a fondu, en fait, c'est ça? Et il était figé par la glace? Grâce à la glace? Faut que c'est terminé, messieurs, dames. Il respire vraiment très très fort. Et j'ai plus de carburant. Ah! Ah, la gravité. Ok. Ok, 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 ok. Pour être plus RP, STP, mec... Mec, j'ai fait de mon mieux, hein. Ok, c'est probablement faisable du coup. Alors, maintenant que je sais ce qu'il faut faire, la question est-ce que je suis obligé de perdre mon vaisseau si on passe si près du soleil? Et est-ce qu'il est possible de quitter cet astéroïde avec le vaisseau des aliens? Ou est-ce que c'est juste pas prévu et je suis de toute façon censé crever pour découvrir ce qu'il y a dans ce vaisseau? Bonne question, hein. On s'interroge, hein. Je sais pas si j'ai la foi de retenter un atterrissage sur l'intrus là tout de suite. On va aller voir une autre planète pour le lol. On pourrait aller voir le cratère, en vrai. Le fameux cratère où on nous a demandé vraiment... le jeu nous a subtilement rappelé à de nombreuses reprises que ce serait bien qu'on y aille. Exactement de quel côté il est, mais... Le cratère, le cratère, le cratère... Ici, peut-être? Non, pas du tout. C'est quoi, ça? Il y a des trucs, il y a de la lecture à lire. Ok. Excellent. Si qui que ce soit a quoi que ce soit à dire sur cet atterrissage, il est de mauvaise foi. Vraiment, quel plaisir d'être sur une planète où il y a une atmosphère et où on n'a pas besoin de crever après 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise encore? Oh là. Oh misère. Oh, ça ressemble au début des problèmes. Les symboles, pas toujours les mêmes. Lui, il manque le bas.
Il y a un vrai flow, il y a un vrai flow de Witness d'un coup, hein. C'est le Golden Path. C'est le Golden Path. C'est l'input qui nous manquait. Ok. Alors je propose d'aller voir ce qu'ils ils ont fait l'effort de nous mettre trois très jolies arches. On va les suivre. Merci pour le sub. J'ai pris 56 subs. J'en ai remercié 3. C'est une catastrophe. Merci Bastille. Non mais non, non, c'est bon. Chill, je suis tombé de 2 mètres. Un explorateur de l'espace. J'aurais probablement dû prendre la combinaison en fait. Ce serait extrêmement pratique d'avoir des propulseurs ici. Gauche, bas, droite, droite, droite. Je le rentre dans le doute. Gauche, bas, droite, droite, haut. Droite. Non, ça n'a rien fait, dommage. Mais arrêtez! C'est peut-être... Peut-être que la hauteur est calculée juste assez pour me faire comprendre que je suis censé prendre la combinaison si je viens ici, en vrai. C'est peut-être genre, frérot, prends tes gadgets ou on va continuer à te casser les chevilles, en fait. Ah! Ah! Il a tellement de mal, mon pauvre perso. Eh, mais attendez, mais j'ai plus jamais remonté. Attendez, mais je peux plus jamais remonter en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça a l'air d'être globalement un jeu qui se joue avec le respawn. C'est un jeu où faut pas avoir peur de revenir au début. Donc chill. Alors vous allez rire, mais en fait je viens de me faire noyer par la cascade. Merci pour le sub K1FR. On n'a pas trouvé le cratère, mais on y retrouve. C'est un die and retry. Y a pas de galère. La mort fait partie de l'expérience de jeu. Il y a juste pas de galère en fait. Hop. Trouvons le cratère. Il y avait pas grand chose ici. C'est quoi ça là-bas? Ok, c'est les deux. Alors il y a des montagnes avec des geysers. Il y a des montagnes avec des geysers. Il y a une autre montagne avec un giga geyser. Oh mais ça... Oh attends, pause. Il y a une plateforme d'atterrissage en bas. Oh, ça va être un plaisir. Oh, va falloir être extrêmement précis. Oh. Non, attendez, c'est problématique. Hein? 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 J'ai vraiment touché la surface, ça? Ok. Very good, very good, very good, very good. Very good, very good. Chill, chill. Chill! Non, chill, 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 chill! Ouais? On est où là? Parce que... Ouais, magnifique! Exactement comme prévu. Yes. Traduis-moi ça, frérot. Hop. Site minier 2B. C'est exactement ce que je me disais. C'est incroyable ça. Juste build dit différemment. Attendez, il y a des gens dans le chat qui m'engueulent parce que j'ai pas la combi. Ouais, prenons la combi. C'était déjà une erreur la dernière fois. Ils ont raison, le jetpack c'est important. Mais la question c'est si elle est si pratique que ça. Si elle est si pratique comme ça, pourquoi je l'ai pas de base? C'est quoi ça? Je check rapidement de ce côté, je sais que la porte est de l'autre côté, mais je check rapidement s'il n'y a pas un truc ici. Ah, mais je sais où on est! Ok, on est de l'autre côté de là, on est juste au-dessus de là où on vient de crever. Ok. On est mort là. Donc on est exactement de l'autre côté, on est à l'opposé par rapport aux arches. On est dans le même point d'intérêt, juste on est rentré par un autre point. Le game design de ce jeu est incroyable. Oui, la façon dont tout a l'air absolument connecté, mais a l'air assez fascinante.
On y va. C'est juste l'aventure. Ça fait, je tiens à signaler que ça fait 3 fois qu'on prend le vaisseau avec aucun autre objectif que de trouver le cratère. Ça fait 3 fois qu'on atterrit complètement ailleurs. Et aussi l'eau monte. Comment ça l'eau monte? Comment ça l'eau tombe dans le mauvais sens? Ok, je suis sous l'eau. Je me suis fait bumier par la cascade, mais l'un dans l'autre, ça se passe plutôt bien. Réserve d'oxygène rechargée. Est-ce que je peux voler dans un endroit où il y a quand même de la gravité ou c'est mort? Ah. Ok. Ok, j'ai des propulseurs, mais il faut les laisser se recharger. Je commence à comprendre la combinaison. Chill, chill. Ça, c'est du GG. Ok, avec la combinaison, les geysers, ils mettent vraiment très très bien. Nice. Exactement ce qu'on voulait. Où est-ce que je suis? Gravité 1. En fait, c'est super chiant à utiliser en gravité 1. C'est extrêmement casse-couille à utiliser en gravité. Hein. Si j'ai pas mon propulseur, je peux rien faire. Les petites lumières. Je perds mon carburant plutôt vite. Ok, je suis revenu là où j'ai commencé. On va essayer de reprendre la route sans se faire bugner par la cascade. Oh. Comme prévu. Exactement comme prévu. Un petit peu de texte là. Je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. C'est pas le minerai pour le reste des tours qui construisent sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Ils construisent des tours sur la Sablière Noire? Tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice épaisse qui scellera la salle à l'intérieur du noyau de la... Ok. Ok. Je suis soulagé que notre clan ait décidé de n'utiliser le minerai d'âtrebois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées. Ok, donc ils sont venus ici. Ils sont venus ici il y a vraiment très longtemps, ils nous ont piqué du minerai, mais pas suffisamment de minerai pour nous mettre dans la merde. Et aussi, comment est-ce que nous on a fait pour développer une civilisation sur une planète qui fait 5 mètres carrés? S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Couvrir et en italique, ça. Il y a forcément un truc que je comprends pas ici. En anglais, ce serait quoi? Cover? Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti. Ok, il y a sur Sablière Noire une pièce très importante qui a été scellée. Ok, avec du minerai qui a été pris ici. Est-ce que j'ose entrer là-dedans ou est-ce que je vais encore une fois crever? C'est le fameux... Ok, donc le fameux minerai qui ressemble à l'intérieur de l'espace. On le retrouvera probablement sur Sablière Noire. Oh, c'est un squelette de... Je reconnais, c'est un squelette de la race bizarre, là. J'ai vraiment envie de rentrer dedans, mais avant, je vais checker le bout de la... Quand sur Sablière Noire, on verra du minerai... avec les étoiles de l'espace, on saura qu'on est près de la bonne salle. Ramasser sablière noire, pierre de projection? Oui. Very good. Hein? Je sais pas ce que j'ai fait. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Ça va? Ah! Ça fait peur. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'étais censé comprendre? Je peux le refaire? Je le retente. Oh bah super. Ils sont sérieux. Ils m'ont droppé dans le vide.
Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. On va essayer de pas crever. Nice. Ok, prendre le geyser pour remonter et pas crever dans la manœuvre, je commence à comprendre. Excellent, excellent. Ils m'ont droppé. Non mais c'est honteux, vraiment, ils m'ont droppé, vraiment. Et en plus, c'est même pas comme s'ils m'avaient droppé sur une planète étrange avec un nouveau truc à découvrir. Ils m'ont droppé là, genre. Ils m'ont droppé 2 mètres plus loin de là où j'étais, exactement au bon endroit pour me troll. Qu'est-ce qui se passe si je prends ça et que je le mets genre là? Oh, très intéressant. Mes remerciements pour cette dernière livraison. Ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Nice. Excellente nouvelle. Puis-je vous proposer une rangée de dieux supplémentaires? Nous serions reconnaissants de l'aide. Plus nous aurons dieux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe pourrait avoir des conséquences désastreuses. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège... Ok, donc il y a un générateur sur Sablière Noire. Nous assurons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. C'était leur dernier contrôle. Et on peut partir du principe qu'ils n'ont probablement pas effectué leur dernier contrôle et qu'il leur est arrivé quelque chose. Ce qui veut dire qu'il y a une fissure quelque part dans cette enveloppe. Il y a probablement une fissure à trouver quelque part sur cette enveloppe. Je refais le délire de ça une dernière fois, mais vraiment, j'ai des questions en fait. Qu'est-ce qui se passe si je m'éloigne? Ok, si je suis pas prêt, ça sert à rien, il se passe rien. 666. Ah ouais, 666 viewers. C'est rigolo. Bon, on va prendre l'ascenseur de l'espace. On va prendre l'ascenseur de l'espace pour voir. Juste parce qu'il faut qu'on sache. Laisse-moi rentrer à l'intérieur, frère. Oh, pas relou, non? Un truc qui fait monter, mais il... Ok, je peux... Si. Hein? Il me repousse. Peut-être qu'il faut que je le prenne en étant tout en bas. C'est honteux. Ah, il veut vraiment pas de moi, en fait. Il veut archi pas de moi. Nice, 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 nice. Je vais checker si je peux rentrer dedans par en bas, mais j'y crois moyennement. Niveau carburant critique, comment ça? Ah, je peux... Ouais, je peux pas non plus par en bas. Quel enfer. Ok. Alors. Quel est le plan? Je pense qu'on est bon pour repartir explorer dans l'espace. J'ai plus de carburant dans ma combinaison, donc de toute façon, il faut que je la recharge. Est-ce que je récupère tout mon carburant si je la remets dans le vaisseau? Genre instantanément. Je la remets pour voir? Non. Non! Merde, comment je récupère du carburant alors? C'est un vrai... C'est officiellement un vrai problème, ça. Minomai. Oh, ça c'est incroyable. Ok, ils m'ont mis une présentation PowerPoint des différents mystères du jeu. Et ils ont raison. On a découvert dans les Minomai qu'il y avait un projet Sablière Noire. Et on sait même plus que ça. Hein. On sait pas mal de trucs sur ce projet. On sait qu'il y a un générateur sur la planète, qu'il a été scellé derrière du minerai qui provient de cette planète. Et qu'il y a probablement une fissure qui permet d'entrer. Et vous voyez, le fait qu'il y ait de l'espace en bas pour un troisième paragraphe me met le stress en fait, me dit que j'ai raté quelque chose. C'est quoi ça? Village, grotte antigrave, ruine lunaire, et ça c'est Gabro qui est sur Léviat. Et ça c'est quoi? Navette Nomai gelée, oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça.
La navette de gélation peut être rappelée au canon gravitationnel sur la sablière rouge. Ah, il reste des choses à explorer. Ok, nice. Ok, ils sont sympas. Ils te disent quand t'as... Ok, ils sont vraiment, c'est des frères. Ils te disent quand il te manque un truc. Il reste des choses à explorer ici. Vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire que sur ce caillou glacé de 2 mètres carrés, j'ai raté des choses. Mais j'ai probablement raté des choses qui étaient sous la glace, en fait. Ok. Sablière, Trebois... Mettre la combinaison... Comment est-ce que je recharge la combi? Vraie question importante, ça. Est-ce que je retourne au vaisseau glace? Je sais pas. Je sais pas. Bon, déjà, on va essayer de sortir d'ici sans crever. Ce sera déjà pas mal. Oh là là, mais on est des cracks. Plus ou moins des cracks. Est-ce que, pitié, je peux... Oh, le cratère. Stop, arrêtez tout. Comment... Aïe. Salut. L'atterrissage est scandaleux. Je vais peut-être me mettre genre ici. Ouais, bien joué. Parfait. Eh, elle est solide, la... La fusée, vraiment, elle est extrêmement solide. Tu dois la porter pour la recharger. Tu dois avoir la combi sur toi. Oh, quoi? C'était juste ça? Ok. Avoir la combi sur toi. Est-ce que c'est limité ou illimité, cette bêtise? Incroyable. Très content. Ok, on a trouvé le cratère. Et il y a... Oh, c'est son bronze, ça, je reconnais. Salut. J'ai mis 4 expéditions à arriver ici, mais c'est là que je voulais arriver à la base. Comment ça va, Tectite? Salut, petite pierre. Je croyais que... Attends, ouais, ton tas de fer dans l'espace aujourd'hui. Je suis allé dans l'espace, frérot. Je suis mort. T'es pas au courant? J'ai vu un truc s'écraser à l'horizon. Ok. Ouais, c'est une graine de son bronze, on est d'accord. J'ai jamais vu un truc pareil sur Atrebois avant. En tout cas, ça traîne pas pour planter ses racines. Ouais, c'est un problème. Hein. J'aime pas la tête de ce truc. Je vais demander à Aman et Al de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait. Tu peux m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque là. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un. Il faut que je ramène le vieux lance-guetteur ou est-ce que je peux pas simplement utiliser le mien? On va tenter, hein. What? Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là. Ok, il y en a des choses dans... Attendez, mais je peux rentrer dedans ou pas? Frère, c'est stressant. J'ai envoyé un petit guetteur dans la graine. C'est beaucoup plus gros dedans que dehors, c'est vraiment beaucoup plus gros, frérot. Comment on va faire pour se débarrasser d'une graine qui a même pas la politesse de faire la même taille partout? Je sais pas. Je vais prendre une hache en plus, même 3, mec, tu pourrais en prendre 10, c'est vraiment vu la taille du truc, ça va pas faire une grosse différence. Attendez, on a vu quoi? On a vu une espèce de... On a vu une île. On a vu une île en forme de poisson géant. Avec une base dedans, genre. Je peux rentrer dedans ou pas? Aïe. Réserve d'oxygène rechargée. Rupture d'étanchéité, je suis en train de perdre... Quoi? Mon carburant? Je me suis fait piquer là?
Je réessaye. Aïe. Bon, ok. J'ai rien dit. Comment est-ce que je fais pour rentrer dedans? Rapiécer la combinaison. Ok, je devais être en train de perdre de l'oxygène, mais on s'en fout parce que je suis sur une planète où il y a de l'oxygène. Ok, very good, very good. Donc. Prends une photo, je sais pas pourquoi j'ai envie de garder une photo de ça. Pourquoi il y a de la glace? Alors ça, j'en ai aucune idée. Je me dis que peut-être elle a ramassé de la glace en se baladant dans l'espace. Ça là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi il y a une graine dedans? Mais il y en a une autre derrière ou pas? Non. Non, après c'est juste un mur. Je serais vraiment très curieux d'aller explorer ce truc, faudrait juste que je sache comment rentrer dedans en fait. C'est sus de ouf. C'est extrêmement sus. Par l'arrière peut-être? Je vais encore me faire piquer hein. Non. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je peux peut-être aller voir le... Sur un giga malentendu, je peux peut-être aller voir la personne qui est à la base. Le seul harmonica que je connaisse, c'est Feldbass qui a disparu il y a un bail. Intéressant. La première fois que j'ai sorti l'onduloscope et que j'ai entendu l'harmonica, j'ai cru que c'était parce que dans cette direction, loin derrière, il y avait la planète avec Felpath. Mais non, c'est à 12 mètres. Hein. Ça vient de la plante. Je sais pas comment rentrer dans la plante. Ok, jetons un petit coup d'œil au journal de bord pour savoir s'il y a des trucs en plus à faire ici. Graine de sombre ronce à l'intérieur de la graine, on est tout à fait d'accord. Ok, en vrai, le fait qu'il y ait un tableau général pour se souvenir de tous les machins qu'on a découverts est incroyable, mais ça me fait me dire que du coup il y a vraiment énormément de choses à retenir. Mais très content. Hein. Ok, j'ai tout trouvé, c'est la bonne nouvelle. Une graine s'est écrasée, mon onduloscope repère un air d'harmonica, j'ai lancé un guetteur à l'intérieur, et elle est beaucoup plus grande, oui. Comment on va à l'intérieur, frérot? Bon, y a peut-être moyen d'en apprendre plus si on va sur son bronze et qu'on arrive par l'autre côté. Recherche d'oxygène, trouvez un arbre, rapprochez-vous. Ok, profitez. Yes. Very good. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les petits potes. On a un problème. Il est vraiment très très rouge. Il est vraiment... Non, là c'est chiant parce qu'il est... Là, vraiment, je suis sûr à 2 milliards de pourcents qu'il a changé de couleur. C'est quoi ça? Soleil! Ouais, frère. Je sais. T'inquiète, c'est une illusion. C'est tout sauf une illusion, putain. Il est carrément rouge. Oh, quel enfer. J'ai aucune stratégie, hein. Je sais pas combien de temps il me reste. Erreur signal en double guetteur. Qu'est-ce que ça veut dire, erreur signal en double? Hmm,
Je jette un petit coup d'œil à la planète en bas, là. Voir s'il me manque encore des trucs. Ça, c'est l'endroit où je suis descendu. Et normalement, il devrait y avoir... Ouais, voilà, les arches sont là. Les arches sont là. Les trucs dorés, on les voit super bien depuis la planète. Ça me fait me dire que vraiment... Vraiment, ils sont importants pour un truc. What? Normal la musique? Monte le son du jeu, on va entendre la musique. Attendez, monte le son du jeu, on va entendre la musique. C'est que cette merde. J'ai à peine commencé mon aventure, m'envoyez pas une supernova dans la gueule, c'est pas cool. Il est en train de devenir bleu là. J'ai combien de... Oh. Oh là. Oh mauvais. Oh non, no very good. Je pense que je suis assez loin. Ah, c'était... C'était notre planète, dommage. Je pense que je continue à reculer, on est large. Et donc restart. Et donc c'est le fameux truc de 24 heures, ça. Et donc ça c'est la fameuse mécanique que les gens avaient représentée sur Place. À quoi ça sert de me remonter les trucs à chaque fois? Ouais, j'ai officiellement pas outrun la supernova. Ok, la mécanique doit avoir un intérêt parce que... Je veux dire, j'ai pas perdu mes connaissances. Je suis à peu près certain que mon tableau de bord, il a encore tout. Et toutes les traductions et tous les machins et tous les bidules. Donc quel est le but? Parce que vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient tout aussi bien... C'est quoi ces journaux de bord, ça? Voilà, j'ai encore toutes mes découvertes. Ils auraient aussi bien pu juste me laisser me balader sur la map et découvrir les trucs et blablabli et blablabla. Quel est l'intérêt de me forcer à revenir au point de départ toutes les, je sais pas, tous les 2-3 jours? Le code de lentement, c'est pas du morse? C'est possiblement du morse, mais écoute, peut-être que c'est important de le traduire, mais pour l'instant, il marche, hein, il me permet d'activer l'ascenseur, il me permet de faire décoller la fusée, on est bien, hein. Il y a quelque chose de vraiment fascinant à capter des gens qui jouent de la musique de l'autre côté de l'espace. C'est vraiment une idée. C'est une idée toute simple, mais c'est une idée incroyable. Il va y en avoir deux. Il va y en avoir deux qui vont être alignés. Oh non. Non, reviens. Non, frérot. Non. Je suis abattu. On a failli avoir les sifflements en même temps. Je suis abattu. Ok. Ouais, il est nettement plus jaune. Donc on est revenu dans le passé. Parce que je savais de Place que de fait il devait y avoir une supernova. Mais je pensais que c'était un truc scénaristique. Je pensais pas que c'est une mécanique genre qui allait revenir tout le temps. Parce que je pense que là, si je rejoue 2 jours, je vais me la reprendre dans la gueule. Et donc je suis sur un timer. Pourquoi est-ce que je suis sur un timer? Quel est le but de me mettre sur un timer dans un jeu où on doit genre
Quel est le but de mettre sur un timer dans un jeu où je dois explorer et résoudre des énigmes? Forcément un intérêt quelque part. T'as plus les codes? Si, j'ai toujours les codes. Je garde 100% de ce que j'ai trouvé à chaque fois que je meurs. Ou à chaque fois que je me fais reset par le soleil apparemment. Grave Joestar, le poisson dans la vitrine ressemble beaucoup à celui de la graine. C'est vrai, les deux sont des poissons lanternes. C'est vrai, hein? Bah écoutez, y a rien d'autre à faire donc on va aller explorer en bas. Je propose qu'on aille. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais on y va. Maintenir, faire une roulade. C'est quoi ça? Oh, un guetteur. Incroyable ça. Ouah. Ah mince, c'était ma planète. Attendez. C'était la planète où je voulais aller. Intégrité de la surface. Ah mince, je me suis cogné. Ok. Parfait. Je sais plus comment activer la caméra du bas, mais... Ah bah voilà. Bah c'est bon. Bien joué à tous. Comment ça, préparatif de lancement? Préparatif de lancement. Propulsion auto du réacteur dorsal. Qu'est-ce que c'est? Activer la propulsion réacteur dorsal en appuyant sur une touche ou à chaque propulsion ascendante automatique. C'est des options ça. Qu'est-ce que je veux? Suspendre le temps dans le journal de bord, ouais. Suspendre le temps dans les dialogues, non, pas la peine. Mode traduction automatique, oui. Ouais. Ça, en vrai, ouais. En vrai, je suis d'accord. Ok. Je sais pas exactement où on est, mais je suis très content d'être ici. Ouais, c'est ça. Maintenant, dès que je vais décoller, ça va me propulser. Je suis sur une gravité de 0,8, donc un tout petit peu plus léger. Il y a de la lave, il y a des météorites. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se trouve, genre 400 mètres? Guitare, allons vers lui. Oui, il est à l'intérieur de la planète, comment je vais le... Comment est-ce que je vais le trouver? Comment vais-je mettre la main sur lui, en fait? Ah. Trouve un truc. Oh, mais c'est... Signal non identifié à proximité. Signal non identifié? Où ça? Oh. Ok, nice, very nice. Mon guetteur est là. Je sais pas s'il y a un intérêt à le ramener. C'est incroyable. C'est incroyable que, complètement par hasard, le guetteur que j'ai lancé en panique dans l'espace ait atterri à 1 mètre... Le truc qu'il fallait que je trouve. Ça m'étonne. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Oui, very good, very good, very good. Il est où le piédestal que j'étais censé checker? Il était là. Au secours. Prendre une photo de non, récupérer le guetteur, oui. Les arbres bougent. Ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois, les feuilles, les troncs, blablabla. Ce n'est absolument pas normal, t'es en train de parler de sombres ronces. Même pour une planète alien. Pourtant, je ne les vois jamais se déplacer. Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, consignez vos observations. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau bouge des tours. Mais tu parles de ici. Les arbres bougent bel et bien. Ah! Oui, ok, c'est des arbres de... Ouais, ouais. C'est cette fameuse... C'est cette fameuse roche idiote, là. Faut juste continuer à la regarder, c'est tout. Faut juste continuer à la regarder, tout va bien. Nous sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Ok, il bouge tout, super. Très chère lune errante. Ah, il y a une lune qui bouge. Oh, il y a une lune... Ok, est-ce qu'il y a dans le système solaire une lune qui bouge quand je la regarde pas? Exactement pareil?
J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de Léviante, Atrebois et la Sablière. Ouais, y a... Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de Cravité. Ah, on est sur Cravité. Hypothèse, le roc quantique provient de cette fameuse lune errante. Peut-être que c'en est un fragment. Ok, il y a... Il y a quelque part dans le système solaire une lune qui se balade. Oh là. C'est quoi ça? Il y a quelque part sur le système solaire une lune qui se balade et je l'ai genre jamais vue. Et elle est pas visible. Pourquoi elle est pas visible? Non, il n'y a pas de modo. Enfin, il y a Milou, mais il est tout seul, le pauvre. Reste dessus et ne la regarde pas, tu vas peut-être te téléporter. Tu sais quoi, en vrai, ça se tente. Non, je crois pas que le jeu soit... Je crois pas que le jeu ose aller jusque-là. J'ai bougé? Non, j'ai pas bougé. Ah, arrêtez! Eh merde, je l'ai perdu de vue, il a bougé. Oula. Oh, c'est stressé. C'est quoi ça en bas? Pourquoi il y a un trou noir? Je suis obligé d'aller voir. C'est l'appel de l'aventure. Ah, j'ai plus de... J'ai plus de... j'ai plus de carburant. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Ah! Lâchez-moi. Il m'a droppé où? Il m'a droppé super loin. Il m'a droppé à 25 km. Il m'a droppé ici. Attends. Tout n'est pas perdu. J'ai juste à m'amarrer à ce machin. Aligner la vitesse. Oui. Je peux rentrer là-dedans. Tout va bien, chill. 50% de carburant. Yes. Non. Je suis cogné. Hein? Pourquoi ça? Ah mais parce qu'il tourne ce con, évidemment. Évidemment que je galère, il tourne. Ok, ils sont sympas, ils ont mis une entrée de l'autre côté. Ah, c'est trop chiant. Putain, non, mais se contrôler dans l'espace, c'est un tel enfer. Let's go. I. Réserve d'oxygène, blablabla, je suis à l'intérieur. Nice, very good, j'aime bien. J'y comprends rien, il y a des symboles partout. Il y a tellement de choses à comprendre, quel enfer. Vous savez pour combien de temps j'en ai à finir sur le game? Vous réalisez pour combien de temps j'en ai? Ah. Oui. Station du troublant. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, oui. Cette tour de distorsion vous permet de retourner sur gravité. Oh, incroyable, quel frère. Il a dit, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Chacune des tours de distorsion est assignée à un corps astral spécifique. La distorsion d'une tour ne peut être utilisée que pendant le bref créneau où elle est alignée avec son corps astral correspondant. Ok. Dans le cas présent, gravité. Ok, je commence à me dire qu'il y a des... Il faut que je commence à apprendre les symboles qui correspondent à chaque planète. Pour effectuer une distorsion, vous devez vous tenir au milieu de la plateforme, au sol, pendant l'alignement. Ok. Si vous levez les yeux pendant la rotation de la station, vous pouvez voir l'alignement se produire lorsque le corps astral est au-dessus de vous. Ok, very good. Donc ça, c'est le centre. Et faut qu'on espère que gravité passe, genre. Ok, et ça, c'est probablement le temps qui reste avant que... Est-ce que ça bouge? Et ça, ça doit être le symbole de gravité, genre. C'est peut-être juste le symbole pour une planète, mais c'est probablement le symbole de gravité. Non, ça tourne pas du tout, je suis un idiot. Ok, je check ce qui se passe dans les ascenseurs. Non, ça sert à rien. C'est un truc qui doit me permettre de venir d'en haut. Ça me permet de descendre, ok, nice. Very good. Ça, c'est exactement les mêmes cristaux que... Hein? Ok. Oh, j'ai tout rallumé. J'ai rallumé. Ouais, j'ai... Ouais. Y'en a pas une autre? Parce qu'il y a deux bidules.
Qu'est-ce qui se passe si je la prends? Qu'est-ce qui se passe si je l'emmène de l'autre côté? Tu peux le faire, ma vie, vas-y. Non. Ok. Ok, very good, very good, very good. Ah, attendez. Ah, mais si, ça bouge, hein. Ok. Non. Oh, j'étais... Oh, c'était de justesse. Ok. Oh, mais attendez. Ok, je viens de comprendre des trucs. Ok, c'est des téléporteurs. Ok, les trucs dorés sont des machins qui permettent de revenir de très très loin. Le timing était fou. Ok, donc ok. Les Golden Path sont des... Ah, c'est exactement le même genre de machin à la con que... statut de la distorsion, monter sur la plateforme de réception de distorsion pour activer la distorsion retour. Heure de départ, heure d'arrivée. Comment est-ce que je fais pour... Oh, je suis très très low en carburant par contre. C'est du carburant ça? Oh, les frères! Mec, le jeu est extrêmement bien pensé. Si t'es suspendu, 50 mètres en contrebas. Ok. Ça sert à remonter, ça sert à remonter de la cité suspendue. Ça, c'est encore un Omai qui est décédé. Tellement de choses à apprendre. Vraiment, sur cette première game, je suis fasciné, mais je suis perdu aussi. Il y a tellement de choses à assimiler. À tous nos amis sur Gravité, je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du Troublant. Moi aussi, frère, je viens d'en revenir. Notre dispositif fonctionne, nous avons pu reproduire le passage avec succès. Je sais pas à quel point on a réussi à être fidèle au dispositif conçu à l'origine par Anona. Même eux, même cette civilisation ancienne, ils avaient des gens qui sont venus avant eux et qui ont fait les trucs avant eux. Il doit y avoir une erreur, tu as vu ces relevés, s'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de causalité. Je suspecte un problème d'origine matérielle. Je retourne à la station du Troublant. Si vous me rejoignez sur place, nous pourrons effectuer un diagnostic complet. Ne dis rien à Cassava. Est-ce que je suis censé y retourner? Voilà d'excellentes nouvelles. Ok. Journal de bord mis à jour. Oh, ça je reconnais ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite... Ça c'est le symbole de gravité. Est-ce qu'il y en a un autre? Ça aussi hein. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens? Qu'est-ce qui leur est arrivé à tous ces gens pour qu'ils crèvent d'un coup? Parce que ils sont morts dans des... Ils sont toujours morts dans des positions qui donnent l'impression qu'ils vraiment ils vivaient leur meilleure vie normale, genre. Comment est-ce que je fais pour descendre dans la cité suspendue? Peut-être là-bas. Probablement là-bas. Ok. Ah. Pas mal. On est bon. Avez-vous remarqué que la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le ciel nocturne? Oui. Je te félicite pour ta vue perçante. Lune fantôme? Peut-être que je peux la voir grâce à la caméra ou une bêtise comme ça. Cette lune n'est pas volcanique, elle prend congé de son ami la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Les nuits où la lune tourne autour de cette planète semblent aléatoires, elle paraît voyager au gré de ses envies. Ok, alors. C'est peut-être ça qui les a tués. Putain, il est déjà rouge, lui. Oh, un peu rouge de soleil, attention. Ouais, je me dis la même chose, hein. Je me dis très clairement la même chose. Ok, donc il y a autour... Alors, il y a... Oh, c'est Sombre Ronce, là-bas. Enfin, ça doit pas s'appeler comme ça, mais... Oh, et ça, ce serait pas exactement le même genre de portail gris flippant que... C'est exactement le même genre de portail gris qu'on voit dans la graine de la ronce qui nous permet peut-être d'aller à l'intérieur. Ok, donc ils sont en train de raconter que cette planète a une lune magmatique et que de temps en temps il y en a une deuxième. C'est pas ce que je voulais. C'est archi pas ce que je voulais.
Je voulais le mode photo en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, de toute façon, je vais probablement me faire reset dans pas très longtemps. Probablement me faire reset, ouais. Il y a un truc important à découvrir avec les lunes de cet endroit-là. La question c'est, est-ce que la fameuse deuxième lune dont ils parlent et qu'ils ont l'impression de voir de temps en temps, est-ce que c'est la même que la lune fugace qui est faite avec du matériel qui se téléporte? C'est le même son que dans la planète. C'était la station avec le trou blanc. Il y avait une lumière bleue sur la planète. Soleil bien rouge. Le soleil est extrêmement rouge. Hein. Ils ont pas lu le rapport du GIEC. C'est quoi le rapport du GIEC? Apparemment, il y a des gens qui ont une blague que j'ai absolument pas ici. Ouh, c'est pas tombé très loin celui-là. C'est vraiment pas tombé très loin. Regarde en balle si on voit des choses. La fusée, putain, ma fusée, elle est de l'autre côté de la planète. Quel enfer. Merde. Pourtant, c'est d'actualité le GIEC. Qui n'a pas entendu parler du rapport du GIEC? La fusée est encore sur la planète, certes, mais de l'autre côté de la planète. Mets un guetteur dans le trou à glace. Ah, t'as raison, et j'aurais dû le voir. Enfin, ceci dit, le trou me paraissait quand même très fermé. Mais t'as probablement raison. Ah, 60 secondes d'oxygène. Ah non, non, il était pas fermé. Non, j'aurais dû le voir. Hein. Eh. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Super! Pas du tout, pas du tout. 60 secondes d'oxygène, soit dit en passant. Attendez, est-ce que je peux me sauver? Je pourrais pas rejoindre la... Je pourrais probablement pas rejoindre en 60 secondes, mais est-ce que je peux reprendre le trou noir dans l'autre sens? Oui. Let's go. Vous voyez là? Oh! Oh! Mais elle était là, depuis le début, elle était là. Ah oh mince, et maintenant faut que j'attende le... Oh, j'avais pas réalisé qu'elle était là, quel enfer. Pierre de projection. Bon, je vais me faire... Vous voyez, et là, c'est dommage. Là, en vrai, le système du reset, il m'embête un petit peu parce que, en temps normal, j'aurais été trop content d'avoir échappé à la mort intelligemment en revenant ici. Et en fait, ça change rien parce que je vais me faire reset dans 2 secondes par un putain de soleil explosif. Mais avant que ça arrive, je vais utiliser cette incroyable pierre de projection. Ici. Oh. Oh. On est où ici? On est très très près du soleil. Ok. Ça sert à montrer des choses. Ça sert à montrer des choses en fait. Tu peux pas y aller, mais ça sert à... Ça sert à montrer du texte. Ouais, let's go. C'était sûr. Rami et moi avons examiné les enregistrements. Il semble indiquer que des Namai arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ. Pardon ? Des Namai arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. Comme j'ai déjà dit, ces mesures ne peuvent pas être correctes. Comment un Namai pourrait-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis les pieds dans le téléporteur ? Oh, il y a des délires de voyage dans le temps. Est-ce qu'à chaque fois que je... Ok, pause. Est-ce qu'à chaque fois... Oh merde, la musique. Vite, faut lire vite. Pai est convaincu qu'il y a un problème dans les relevés, elle va m'aider à reproduire les phénomènes de laboratoire des hautes énergies. Nous sommes... C'est où le laboratoire des hautes énergies? Ah, c'est peut-être le truc que j'ai vu sur le truc rouge. Le laboratoire des hautes énergies se trouve dans le canyon sur l'équateur de la sablière rouge. Ok, il faut que tu vois ça. Il faut qu'on aille sur la sablière rouge ensuite, mon avis n'est pas différent, cela signifierait que j'ai sans vouloir réfuter plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Oui, c'est ce que j'espère, ok. Je comprends que ce soit singulier, mais on a vérifié le matériel à maintes reprises. L'intervalle est court. Un cent millième de seconde. Est-ce que je reviens? Attendez.
est-ce que je reviens dans le passé à chaque fois que je prends le téléporteur? Et si oui, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ils ont dit un 100 000ème de seconde. Je me remets un coup de projection. En fait, j'ai compris. Ça sert à montrer ce que je dois trouver sur la sablière rouge. C'est ça le laboratoire des hautes énergies. C'est juste un indice. C'est juste, yo, regarde, tu dois trouver ça. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Il n'y a plus de soleil. Plus de soleil, messieurs. Oh là. Le jeu est fou, en vrai. Le jeu est fou. J'ai juste une question. Est-ce que c'est pas une mécanique qui commence à casser les couilles au bout d'un moment? Je veux dire, c'est super impressionnant la première fois, mais est-ce que dans 10 heures, je vais pas en avoir marre de me faire arrêter toutes les 20 minutes par la supernova, genre? J'adore son espèce de grande inspiration quand il se réveille à chaque fois. Ok les amis, j'ai autre chose d'important à vous dire. Ça fait 2h15 qu'on est en live et donc c'est probablement la fin du live. Je vais probablement vous laisser là. Ok, alors, premier truc à savoir. Le jeu est dingue. Le jeu est dingue. Il va falloir qu'on le finisse. Et il faudra que je fasse une vidéo qui lui rend honneur, hommage, et je vais probablement galérer mes grands-mères. Je préfère aussi vous dire à l'avance que ce sera pas la peine d'attendre de la vidéo qu'elle retransmette exactement ce que j'ai mis sur le live. Mon job, c'est de réagencer tout ça d'une façon qui est pas trop chiante à suivre. Donc si je reste bloqué 8 heures sur une planète, ça apparaîtra pas dans la vidéo, ce sera pas la peine de venir me dire « Oh, c'est pas exactement comme sur le live, ok ?» Ok, le jeu est fou, j'ai vraiment très hâte de voir la suite. Je vais pas vous faire attendre trop longtemps, une fois que j'ai commencé un jeu, généralement je le finis assez vite, donc je vais le streamer dans les prochains jours, on va le finir rapidement, après je m'attacherai à la vidéo et ce sera bien. Ceci dit, j'ai promis une vidéo dans la vidéo Tunique et il faudra que cette vidéo vienne avant celle-là, avant celle sur Outer Wilds, parce que j'ai quand même promis. La suite de Cult of the Lamb. Oui. Ouais, exactement, voilà. Ouais. Vous êtes trop vif. Vous êtes trop vif, il fallait évidemment qu'il y ait quelqu'un qui se souvienne de Cult of the Lamb. Cult of the Lamb, le jeu est bien, mais là tout de suite, j'ai pas le temps de le finir. Enfin, le jeu est bien vite fait, genre, le jeu est bien. Stream plus, frérot. Bah, pas ce soir, mais chill, vraiment, dans les jours à venir, je relance un stream là-dessus. Puis, de toute façon, mes VOD sont gratuites, elles sont pas sub-only, donc si vous ratez le live, vous aurez vraiment qu'à le regarder. Yes, c'était cool. Le jeu est insane. Je suis extrêmement heureux. Merci à tous les gens qui m'ont recommandé Outer Wilds. Et je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée.